Bande coupé, balande nyoso, mbote mbote sika bozwami. Mbote na bande coupé, balande nyoso, ale maloko, mbote mbote bande ko, bokota ebele pambate. Mbeka te msa kibino lelo, toko yamba bongo, professeur Tchakudia. La solo, toko tuna eme tuna, boko tato, kerande vo lelo, mate failu, la solo, lelo, senko enome ye, donc président élu de la République démocratique du Congo, toujours de la bas résultat provisoire ya celui, bande pombo dans les bénés, côté à son nom, Toko Yamba Bongo, professeur Tchakudia, na 21h30. Ya solo, bande Kotoza Kaka, na 10 minutes, nde Tokoza, professeur Tchakudia. Toko Yamba Ye, côté à son nom, Toki Maïbe Kuna, na Matabo Yo, Tokozali Kobo, les gens pour les calambos, Kalabito, pour les bien que c'est l'élection, Maton de Mingi, à solo, bande Kobo, partagez, émission, au bout dans les bénés, au Bichandazi, ya. Mananga, Yasono, ya papa, Pambo, Yasoba, bonne année, bonne année, bonne année, na Patu Selen, en tout cas, bonne année, Patu Mazinga, Mandekolanga, Bokota, Ebele, Eme, Bwanga, Emo, Bwanga, pardon, Mandekolanga, Bokota, Ebele, Pote, Soko, Solola, Masolo, Oyo, et Sali, Mboka, na Bisou, Mboka, Toko, Yamba, Bongo, Professeur Tchakudia, Professeur Tchakudia, Oya yebani mingi, ya kubon sa biso, makambo tele tele, na makambo za kole kalamboka na biso, este ezali mdenge mingi. Ya solo matuto mingi, uwili uwili tabankumbo, ya solo uwili tabankumbo, anise kuba, ba bonane, bonane, lelo za ebe 5, kuzali bongo live, bande ko bo partaje emisyon yo, koko yamba, Professeur Tchakudia. Est-ce qu'il y a solo ma élection Nenge Senko annoncé en gros? Et j'allais dire moi là tout, j'allais pour voter pour que c'est Tchakudia. Après, vous voyez, vous qui est Maté Fayoulou? Il y a solo Bandeko, beau partager, beau partager, beau partager. Émission Oyo, beau partager en gros. Côté à solo, ma solo yo, et j'allais Penza, Kobeti Sabatou Moutema, Christine Massamba. Je suis Massamba, bonne année, si vous allez, bonne année. Il y a solo 2019, émission Boko Kabayindo, en direct, il y a avis du public, Didier Massou, qui m'a demandé pour Pembe. Pour Tembe. Motem, il y a super, Lelo Anita Massouki. Il y a solo super Anita Massouki, Mbote Atro, si vous allez. Il y a solo Bande Kolanga, Persine Chakala, bonne année, Nabatoukou, bonne année. Émission Boko Kabayindo, Lelo Toko Yamba, professeur Julien Tchakudia. Julien Tchakudia, Azali, professeur de la République démocratique du Congo. A commencé à tout ce matin, vous voyez bien que Congo, la République, est Azali, la Batu, et Bélé, Batane, Bakenasi, Batu, Bélé, Kassia, Solo, Bandeko, il faut que tout le monde ait un bon tour. Mon tour, pour si j'ai l'ambition de Lelo, Azali, Martin Fayoulou, élu président de la République démocratique du Congo, c'est lui a proclamé à président Nayi. Est-ce que c'est lui a condimenté le résultat au Senko a programmé que Zali Bongo l'éviter? Il y a un autre que professeur Tchakudia, il y a un bon établissement qui est Martin Fayoulou. Kambate, Batuming baye komo na kaka Martin Fayoulou, Martin Fayoulou. Mais lelo yo, Martin Fayoulou a komi li pa koutou et le kito ki. Martin Fayoulou a komi ko lekana li pa na sukse et si ta nou sa kokende. Kombo motele ya Martin Fayoulou. Martin Fayoulou a komi partout partout bande kolangai kakaye kakaye. Ya solo bande kolangai Kameli Kameli
Bambo Tatro, et Souko Zali, Maton de Lune, Yatolo Bandeko, Boko Tepele, Botatolo, Soko Yambabongo, Professeur Juliette Chakudia, lié à Zali Moutoumounene, la République démocratique du Congo, lié à Koya Komon Tabito, Monene, Yambo Kalabito, la République démocratique du Congo, et à Komon Tabito, Makambo na liko leka l'élection na mboka na biso tomoni ba prononcer le nom na Senko que Mathieu Fayulu azali élu est-ce sokoyo kango na monoko ya professeur Edith Sakuja oyo avant na Mathieu Fayulu pe ayebi Mathieu Fayulu tokoti na ye yende akomonisa biso monene ya Mathieu Fayulu Madidi ya solo bandeko mboka ya Congo. Les gens qui ont été délaissés, ils ont été délaissés. Il y a l'idée de Souki, Mobali, il y a Bandeko, il y a Pembe. Il y a solo Bandeko Langaï et il y a 5 minutes pour Yambabongo, professeur Julien Chakudia. Mon co, il y a le professeur de la République démocratique du Congo à Tambouli, Mikili, Andenge, Andenge, il y a Toko Yambay, Poto Tuna et Mituna, Maebi Kemosu, Bokomagi Mituna, Baepe Bokoma Mituna, Bokome Langaï, Toko. Yeba kotuna emituna emiso bokoka bayindo bolimbi simoleveke koyamba kaka invité nde tokotuna emituna mende kwa dali na mituna akotuna ekokumba tokotuna mituna epaya papa na biso Julien Chakudia oyo azali bongo professeur na biso oyo yolite bandeko mboka ya Congo ezali na makambo ebele ebele bandeko na ngai. Dali Kouluka, Nengeni Kouluka, professeur Julien Chakudia, Kouluka, dans 5 minutes, côté. Maton Domingi, Lolenga, Lolenga, bonne année, Siko Dali, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Ya solo bonne année Penza. Nous allons en direct ya solo bandeko bon partager et nous sommes au côté ya solo ma solo Zali et Pélé pour solo là na professeur Julien Chakudia en direct ya Azi du public. La vidéo, ma chute, mon bal, y'a mandé pour attendre mon thème, y'a Fisher, Anita, ma chute. Y'a solo, bandit, on a eu bonne année, bonne année. Bonne année, na Ale Maloko. Bonne année, na Ale Maloko. Bonne année, au bout de Sanzad. Au bout de Sanzad, mon thème, y'a Manan, y'a Eli. Bambo, je suis à vos années, bonne année. Amitié Touba, la bonne année. Ya solo, Bandeko Senko a publié par résultat les noms, la banque Bandeko Bélé Balambi Ango. Martin Fayelou, élu président de la République démocratique du Congo. Bote Amini, Coco Madeira. Bote Amini, Coco Madeira. Vous voulez l'école, la grâce combattante, c'est pour vous saluer. J'espère la grâce, la foi de tous. Il y a solo un peu de Congo, qui est déjà venu comme la campagne. Il y a solo ma cambozali qui est belé, balobi. C'est nous, à Mekaku, je ne sais pas battre, il y a solo, on essaie de vivre dans ce niveau. Vous voyez bien que, vous voyez bien que c'est pour son petit bébé, mais nous, on se trouve quand on parle à professeur Julien Chakudia,
yende muta kumonisa biso makambu nini ebombami na kati ya ba election oyo nini zali koleka kati na Américain na ba Chinois sinon sofi tokotu na professeur de bokomelaki tokotu na professeur po yende muta akomonisa biso makambu nyonso oyo nous avons l'état Namboka, Nabuto, Mboka ya Congo. Maton de Mini, la solo Bandeko. Maton de Mini, la solo Bandeko. Vous allez te combattre, vous allez la Koyamba, professeur Julien Chapoudia. Dans la minute, vous rejoignez, vous bengayez, vous y a solo, vous mettez, vous bengayez, par téléphone, sur la WhatsApp. Na solo bandeko Congo emoni pasi mingi bandeko Congo toyebi te kokosuka watu baki bakufi ebele plus de 10 millions toyebi te alobi po peuple komona lobi tolingi changement changement na mboka bakoko pamba te na solo babi Congolais alalaki mingi kasi Congolais alamboki alingi lisusu bezodre te. Ya solo merci mingi. Lewis Mufinda, 100 mètres, en tout cas, ma bonne année, Lewis. Lewis Mufinda, merci à mon oncle, je l'ai ma bien l'année, vous. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année, ma Bruno Badingela. Ya solo, bonne année, bonne année. Vous partagez et nous sommes toujours en bas, professeur Julien Chapoudia. Marthe Fayilou, élu président de la République démocratique du Congo. C'est Nico qui a publié ma publication. Parce que vous êtes là. Professeur Julien Chapoudia, nous sommes à Londres. Bien de nous avoir mon sabiso, mon aîné, il y a Marthe Fayilou en bas. Mingi ba yebika amate kwa hivyo wazali kumona yebo yikati mingi pe ba yebi kenza mwenene ya presida amate kwa hivyo pe yango mke kwa mwuka mwuto yo a yebi amate kwa hivyo profese kato di ape to mwuka pe kukuna ye abandi mkulele ki, mwona ki, mwuka ki kubenga ye mwoko presida amate kwa hivyo kasi wazali ki na bantesuma wazali ki bongo na kati ya université et ce qu'on va faire que cela n'a pas étudiant à l'obacie à son fond à l'aide à l'oubli d'ici n'a pas l'aide à l'étudiant bon 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 bon. La solo bande copie balandu nyoso, kozali ko benga professeur Julien Chapoudia sikoyo kote ya solo, ko tunaye mituna, bo landa biso na bokebi, bo partage emission yo kote ya solo, bande ko nyoso, bo partage na ba groupe, kote batu baleka na kolanda, professeur Julien Chapoudia ba meka koyoka ye, pe na mituna oyo ko tunaye. Bon partager émission. Matondo, Matondo mingi ya solo ya binonde ko Congo alenga bande kopé balandino so balandaka émission boko kabayindo en direct ya avis du public ya Didier Masuki mobali ya mande fo pembe ndenge to yebisa ke bino ke lelo to koyamba bongo professeur Julien Chapoudia. Yazali mutu wa mayele oyo akomonisa biso makambo ebele boyebe ke mboka na biso mboka ya Congo tozali na tango ya makambo ebele ebele ba election mapona mieleki kasi ya solo ti mokola lelo tozali ko comprendre te ba resultat ezali ka koyate depuis le 30
Bah, ça, là, qui est l'élection, c'est l'élo, tu commis déjà cinquième jour, l'élection, nanou, tu y habites, mais c'est l'élo, le cinq, tu moni senko, bah, toi, tu bengi, bah, toi, catholique, bango, bah, proclamé, oh, ya bango, bah, résultat, bah, l'obé, que Martin Fayulu, Azali Bongo, Eli, président, ya, République démocratique du Congo, tu l'as dit, bah, RTBF, bah, chaîne internationale, PBL, Al Jazeera, tu l'as dit, en gros, tu moni, en tout cas, bandeko, yango tomolaki, toke na lombango, et pa yi, ya batu ama yele, o bazali bongo na mboka na biso, o bazali a na diaspora, pa meka komon sa biso, lo lenge nini, ba eleksyon zali ko kene, zali ko umela, pe lo lenge nini, Martin Fayulu, eske a gagne, ba eleksyon, nenge senkwe lobi, to ezali pela nenge nini. Toko benga bongo, professeur Julien Tshakudia, pote ya solo, ye a meka komon sa biso, ma ponami o eleki na mboka ya Congo ezali ndenge nini pe amon sabiso monene nini ya mboka na biso to bengi la République démocratique du Congo pourquoi mboka kaka ya Congo batune so batse yango misu ba grande puissance nous soit monde et tse misu ka na Congo likambo nini ezali koleka na mboka ya Congo to meka ko benga professeur Julien Tshakudia. Oui, allô, bonsoir, professeur Julien Tshakudia. Bah, bonsoir, c'est monsieur Kongwalenga. Oui, c'est Kongwalenga, professeur. Oui, camarade, bonsoir, et je suis à vous. Matondo Mingi, professeur, Mokilipe, Monde, Mobimbaza, Kolandayo, en direct, il y a avis du public. Professeur, Tobengi, Opotia Solo, Mboka Congo, et j'ai dit, bah, situation na bandi yo yebi et belé biso bana ya Congo ya diaspora pe kuna na République démocratique du Congo bazali vraiment ko s'enquêter mingi na maponami oyo oyuti koleka me yambote to ko bala mituna batu mingi ba yebi kaka professeur Julien Tshakudia mais est-ce que professeur oyo ko sala présentation te batu ba meka ko yeba yo qui est vraiment Julien Tshakudia. Mon frère, merci beaucoup. D'abord, je vous remercie na vie du public. Nazako et monsieur Bino Mingi, parce que vous êtes tant on a Bino, pour que le lot, na solo na bana en Congo, sur ce qui se passe dans notre pays. Gaï, Lazali, moi, ya Congo. Je ne veux pas na présenter ma meilleure vœu na bandeko, parce que tout allez na moment très difficile. Tout à l'heure, nous n'avons pas de aussi là. Ce qui m'a convenu, c'est d'aller officialiser un dernier zali. Wana na koye bisa bandeko. Bonne année, bonne fête, et puis total un dernier to construire mboka bisonye dosu. Mais, un peu, dans les mois à Congo, depuis l'âge de, je sais pas, 22, 23 ans, dans l'équipe président, yaba étudiant et stagiaire de l'Afrique au Québec et au Canada, pendant mes études, puis Nazaré qui dirigeant Jean-Pierre au Canada. La Kenda na Canada, moi, non, mouke, à Montréal. Na Tanga, na Salaba, na ni licence, maîtrise et doctorat, na Université de Montréal. Na Koutana, na Baninga Mingi, ba Moussous Bazali, ba Batango, Mpesa, ou ya Salaba, médicament, Manadiar, ou ba Batou, ou ba Yébi Kinshasa, Manadiar, Manalaria, c'est mon collègue à Montréal, Batango Mpesa, qui est au Congo. Et il est pharmacien, Kambayi Boatia, professeur Kambayi, qui était ministre de Mobutu de l'enseignement supérieur, était mon collègue à Montréal. C'est mon grand frère. J'ai des autres grands frères qui sont encore à Montréal, comme le professeur Kanambi, le professeur Biakabutuka, le professeur Kapanga. Bon, j'ai beaucoup de grands frères, de jeunes frères qui sont encore au Montréal, qui ont refusé de retourner au Congo. Et j'ai eu aussi comme dirigeant de la GMPR et comme président des étudiants de l'Afrique à Montréal, j'ai eu accueilli le vice-président de Mobutu, Pinga Kassende, qui était aussi membre de ma famille, qui venait chez moi avec maman Pinga qui avait les œuvres de maman Mobutu. J'ai eu l'ambassadeur Ikolo, j'ai eu l'ambassadeur Pongo Mavulu, donc comme des amis et tout ça, tout ça. Et j'ai eu aussi à recevoir Papa Ngulu, qui est mon ami jusqu'aujourd'hui. Papa Ngulu m'appelle par mon petit nom.
mon ami Tchakalou, mon ami Tchakalou. Bana ya papa Ngulu, bazako benga ya papa. Parce que bayebi, qui je suis, papa Ngulu, banga pongo, bako kele lokanga. Je parle pas de Ngulu fils. Le Ngulu, le papa, l'ami de Mobutu Sese Seko. Bangonde bato, bazwaka biloko nangai na Montréal en 85 en décembre. Yé, sur la demande de son ami Mobutu, bazui trois conteneurs dans l'avion Sabena, nakenda na Kinshasa quand j'ai fini mon doctorat. Et de Kafkong à Kinshasa, et trois conteneurs dans l'avion Kwasabena, na komi na Kinshasa pour na koma ministre ya affaires étrangères, la président Mobutu qui avait besoin du Canada, de côté na Kafkong. Kafkong, c'était le grand restaurant à Gombe, et Fambe Yolanga, Bumbuchi, et qui était le patron de l'ONATRA, et Komotongwa Boke, et leur patron, Ngulu, mon ami, et le vieux leur a dit, le maréchal a demandé que mon inga zonga a pesé Moussalawana, l'autosala, na boyaka. Je fais la théologie de libération. Je fais des études africaines. Je savais bien que Mobutu était dictateur, et le vieux Ngulu savait bien ce que j'avais fait comme thèse. Mais là, comme il a quitté ça, na boyaka makamwana, je venais de signer ma mort. Le président Mobutu est comme Komotongaboke a crié au restaurant, mon kondi s'adressait au vieux Ngulu. Mouninga na yo aboyi, maréchal Azakozela, réponse na ye. Et toute la nuit, ils étaient chez Kengo pour discuter de mon arrivée à Kinshasa. Nous sommes en décembre 85 vers le 23 décembre. Mais mes frères, je ne peux pas vous dire ce que j'ai subi après parce que Nazaki m'en a moqué. Je n'avais pas de coaching et je venais de signer ma mort sans le savoir. Je me suis retrouvé en exil à Brazzaville. Brazzaville, je me suis retrouvé 2 ans après en Norvège avec un sauf-conduit de Sassou Nguesso, avec colonel Ngolondele, le père de Ngolondele, qui est aujourd'hui à Brazzaville, comme maire de Brazzaville, et qui était à l'époque colonel, il est aujourd'hui général. Donc c'est Sassou qui m'avait sauvé la vie parce que je suis parti en Norvège sans passeport, avec ma femme et mes 2 enfants, et pour aller avoir la 3e de mes filles à Oslo, qui était déjà dans le ventre de la maman. Voilà, le peu que je peux vous dire, c'est ça. Ça veut dire que depuis des années, je me bats pour que le Congo soit le Congo. Parce que Congo, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Tout le monde envie ces pays-là. Depuis Léopold II, en 1885, à la conférence de Berlin, le Pôle a trompé tout le monde pour Azoa, Congo, Oyoza, Komonawana. Et il avait corrompu Stanley, et avant de la conférence, il y a Berlin. Leur Bakomikuna a fatigué Batunyoso. Aye Kozoa, Congo, Yemoko, et comme il a yé. Donc, et puis, Abokuma Batu, plus de 12 millions. C'est ça que le Bazak, c'est la civilisation. Aboma a kata kata maboko ya bande kuna visu ya Equateur wana po azwa cuivre. Azwa nini kop ce qu'on appelle caoutchouc. Donc mboka ya Congo, monde entier, pour se développer, ils ont besoin du Congo. À l'époque, c'était les caoutchoucs pour pas fabriquer ma pleu. Ils avaient besoin du Congo. Nous avons perdu 12 millions de personnes avec le porteur, et on a coupé autant de mains de bande qu'on a vu sur l'Équateur, pour basoir caoutchouc na bango, pour bas fabriquer par pneu ya mituka, ce qu'on appelle caoutchouc Robert. Mais professeur Bolimbi, si moi mouke bande coupé balandé sur basoir landa biso au lobby et loco to le babé amoutouya to landi pensa biographie et en tout cas ali passe mingi. Mais professeur au lobby loco moro lobby que pour bas fabriquer bas pneu Nathan Léopold II, et donc et tout coup fait 12 millions. Oui. Les autres, tout le monde a bah, fabriqué. Coupé parce que tu n'as pas amené beaucoup de caoutchouc, bah coupé pas beaucoup. Alors, laisse-moi 2 minutes comme ça aux ongles d'angai. Ça c'est les caoutchoucs. Deuxième chose, pour bah fabriquer uranium, oui, parce que les bombes y a Hiroshima, il fallait encore le Congo, pas les Américains. C'est l'uranium de Katanga. Pour bah fabriquer les lots. Oui, vous savez comment on a technologie moderne et la communication, c'est le coltan. Le coltan, 80% est allé dans le Congo. Et
On a perdu plus de 20 millions sur 30 millions de personnes. Personne n'en parle parce que c'est toujours le Congo. Maintenant, nous sommes dans une autre révolution. Et cause à la révolution, il y a ma batterie, il y a Mituka. C'est toujours le Congo, c'est notre cobalt, c'est notre lithium, c'est toujours le Congo. Alors, il faut devoir comprendre, vous les enfants du Congo, que aussi longtemps que Bissot Zana Mayel était, Bamoussou Bazali na Mayel, parce que pour que le monde se développe, à tout moment, on a besoin de nos ressources. Et moi, je suis allé étudier la théorie de libération, j'ai étudié l'Afrique, je suis panafricain, na comprendre ma kamboana na zaki moi na mouke. J'ai dit, je vais me battre pour mon pays. Et ça fait presque plus de 40 ans aujourd'hui que je me bats pour ce pays-là. Et mes frères croient que je m'amuse. Ces types-là, ils parlent, c'est pas sur Internet comme ça. Ils font comme, non, moi, je fais des études. J'ai compris que mon pays est au centre des intérêts du monde. Pour que le monde ici soit monde, on a besoin toujours des ressources du Congo. Et pour avoir ces ressources, on doit nous tuer, on doit nous donner des dirigeants faux, on doit faire tout pour que les Congolais ne puissent jamais bénéficier de leurs ressources. Parce que ceux qui puissent comprendre l'importance, c'est que mes frères, c'est là, nous serons les Congolais. Nous serons respectés et le Congo va devenir plus que les États-Unis, plus que l'Angleterre, plus que la France. Voilà mon combat à Londres. J'ai choisi Londres depuis 2004. Pour la bunda l'école de Gaulle. Mais Ngaï, de Gaulle n'avait pas des ressources que moi j'ai. Ngaï n'a des ressources dans le Congo. Et c'est dans ce cadre-là que n'a benda mon frère Fayoulou en 2011. En 2012, n'a ndako na Ngaï na Londres, n'a kei biloko na Moutou. De l'obo zana Fayoulou. Tokoko ma isi kawana, professeur, tokoko ma wana, pote asolo, to meke koti ke la ono, me gosa la intro mouke batu, ba meka penza ko mona monene ya professeur Gilles Tchakoudia na bandi bande konyo so bozolanda biso bozali tellement belé belé vraiment en tout cas na ebe ke bozali belé ba bazolanda biso en direct ya avis du public ya solo ndenge bolandi professeur Gilles Tchakoudia tolandio na boke binoso allo eloko sali sou passe mingi to monier ke tant ozo moni sa biso parce que mingi tozo monaka Congo mais ou tantango a Léopold II à part wana part dans tantango ba koko na biso. Tout le monde dit que 12 millions de personnes vont perdre la vie pour la caoutchouc. Tout le monde dit que les gens qui ont été en coltan, les peuples congolais ont plus de 10 millions plus que les autres qui ont été en fait. Les gens qui ont été matière de cobalt ont été utilisés. Professeur, pourquoi le Congo a été en caraboué? Et pourquoi la richesse a été en fait? Il faut qu'on ait été en. Mais vous avez remarqué une chose, c'est que pas ça qu'on a école de Paris. Il n'y a plus de bonnes écoles viables. C'est pourquoi j'ai dit aux Congolais que pas de vous en avez une bande, il faut battre. Même si tata a tangate, maman a tangate, vous salez tout que moi n'ai pas dans la classe. Moi n'ai pas à maillé. Je dis tout à tous les Congolais. C'est pourquoi vous voyez de temps en temps, j'affiche sur mes Facebook, parce que moi, dans la moto, à ce diplôme, j'affiche sur mes Facebook. Je sais pourquoi je dis ça. Parce que, parce que, dans l'Équateur, ce sont des deux missionnaires blancs. Il y a des Anglais. Léopold a lobby qui a été civilisé. Il a été civilisé par les nègres qui sont au Congo. Léopold a dit que le Congo est le plus important. C'est pour Léopold, il y a des Belges. Le roi Léopold II. Mais si vous êtes dans le côté là, vous avez la civilisation, vous avez l'émancipation à Banoir, vous avez la boye. L'air Batouana Bakenda qui m'a balayé, j'ai oublié leur nom maintenant. Un jour, je vais vous donner le nom. L'air missionnaire Wana m'a balayé, il y a l'église protestante en Angleterre. Bakenda kuna na Congo, batali, batnyos bazako sila, bazongi na Angleterre, batfa, ils ont lancé l'alarme. Ils ont dit non, De Gaulle ne fait pas la civilisation là-bas. Et puis ça, yenani, Léopold II ne fait pas la civilisation là-bas. Léopold II ne fait pas l'émancipation des Noirs. Ceux qui t'ont dit qu'ils bouillent, batnyos bazako sila kuna na Congo.
baza kuboma batu nyoso kuna ba mususu bazana ba bra coupé et tout basi bana ba tout le monde bra coupé et les autres en train d'être tués et puis ba mingere baza kuza ba mitu wana baza kote na ndako na bango baza kola kisendenge ni baza kuboma ba non on peut plus accepter ça. C'est ça l'émancipation. Il y a colonisation, il y a la période de l'indépendance. Ce qui est en train de l'armée, on a été dans Léopold II. Maintenant, Léopold II a moins parce que le Congo est le Congo à la personne de Léopold II. C'est comme ça que le pôle 2 n'a pas nyongo ça que na Belgique na lobina ba Belgique na za ko pese bino Congo ou tika ngai calme et puis pour que résoudre le problème na bino ya ba dette na ngai. C'est comme ça que le pôle de Congo devient maintenant au colonie un pays colonisé en 1908 ya ba Belge. Il y a 60 pays qui ont indépendance na ba Lumumba, ba Kasavubu et les autres. Donc le Congo c'est toujours un problème. C'est un pays problème. Et depuis 60, après l'indépendance, presque 15, 30 jours après, Bitumbe Banda qui était jusqu'à 65. On a élu un premier ministre qui était très populaire, qui a fait son pouvoir dans Mutu, seulement à Bakongo et un tout petit peu des autres Bakongo, de Kinshasa ou de Bandundu. C'était Kasavubu. Mais Mutuazan qui, moi, je suis nationaliste, où les Bakongolais vont élire partout. Lumumba, Babouma qui est Mbango, Babé Kopé c'est Kasavubu. Et vous connaissez la suite de Kasavubu. Après, soyez comme en 65, Babé si Mobutu. Mobutu a cru qu'il était citoyen congolais. Bango, Bazaki, si Mobutu, Baroulé Mobutu pendant 32 ans. Oui, il y avait des histoires là. Oh, Dani Bali, Mobutu, Tinde, Babinga, Kassende, Batunaye, Kona, la Belgique, Kibou, Kendo, Bambango, Bakamoya, Bakontentieux. Bakontentieux, les équipes, Mobutu, Taye, Baki, Makambo. Le président Mobutu connaissait des choses, mais il ne savait pas qu'il était dans Mutambo. Et 32 ans après, pour mon ami Mutu, Abimi Libanda, Laurent Désiré Kabila. Et quand il a commencé à ouvrir la bouche pour dire que non, il faut quand même que Biloko Congo ait partagé Bana Congo, Babumi est 3 ans après, Bayekoti Elebiso, un imposteur. L'imposteur vient de faire maintenant 17 ans, presque 18 ans, il y a pouvoir. C'est ça Joseph Kabila. Il y a un pouvoir à Congo, na Kagame, na Museveni. Et puis, Bokota, il n'y a plus de frontières, Bokota, Boyiba, Bobouma, ils sont tous à cause de la Mabou Kounabino. C'est ça que mon combat, c'était que Makambouana est ici là. Na Tambouli, na Washington, na Tambouli, na Yéko, parle de l'anglais, Awa, na Mbouka, na Bakou, depuis 2004. Na Zakota, na pays scandinave, na Lubi, na Bangonyo, so que non, il faut quand même Congo et Zongue là. Congo. Mais il faut faire des stratégies. Mais qui peut être dedans? Puisque tous les bandes, tous les bandes, pas combattants, pas résistants, pas patriotes, tous les bandes, mais qui peut faire l'affaire à l'intérieur? C'est comme ça que Naïko a identifié Moutoumoko Pembeni a été intégré en 2011. Martin Fayoulou, Nadip, Moutoumoussou, Diomi Ndongala. Nabani Kosara, Naïko Benda Fayoulou à Londres. J'ai passé toute une journée, février 2012, avec Fayoulou dans ma maison. Et aujourd'hui, vous avez Fayoulou. Et aujourd'hui, le monde entier, pour une fois, parle de Fayoulou dans toute la presse du monde. Mais en 2011, Tshisekedi avait gagné les élections. Au moment où la presse est Zaki Koloba, zéro. Ça veut dire que maintenant, nous allons maintenant vers le changement. Nous allons maintenant dans la situation que le monde a reconnaître que les Congolais méritent mieux que ce qu'ils nous ont imposé depuis le départ de Mobutu. Matondo mingi ya solo bande kopé balandi nyoso na banze belé bazali kozela pour mituna bokomaki tozali ko continuer masolo na biso tozali bongo na professeur Jélé Tshakodia. Professeur ya solo to kota pendant na mozindo masolo na biso parce que otangi kombo ya Martin Fayoulou olelo kombo na ye ekomi penza balobi kutu koleka na lipa pambate mutu nyoso na ndako na ye azanga kata lipa te kasi lelo Nanda kounye sou abate komi Fayoulou. Tolingi toye ba professeur Tshakodia. Ki ye Martin Fayoulou? Biso toye ba ki kaka boye na eside, mbo batwade kote kate parmi ba grand politicien na Congo. Me lelo, Martin Fayoulou. Ye nde kombo komi. Na koye bisabino quelque chose qui va vous faire rire. Nga yi
quand Moïse Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir, je me suis dit, ils allaient pouvoir en créer. J'avais mes militaires en Angola avec 200, j'ai cherché mon souvenir et tout ça. Il faut quand même un quota dans le Congo. Nous sommes en mai 97. Je suis à Ottawa, où je faisais le lobbying de la guerre pour faire avancer Moïse rapidement. Tout cela dans le pouvoir dictatorial à Mobutu. Et après, mon ancien représentant en Afrique du Sud, colonel Nzosi Pierre, qui est mort ici à Londres, il a été enterré à Londres ici, qui était mon représentant en Afrique du Sud, m'a dit non, président, Yosa Motoya Boete, il faut vendre à Ottawa, Moussa Yemoko à Koyekozoyo, parce que Ngaï n'a pas été là Lubumbashi avec votre nom. Donc il faut vendre. J'ai dit non. Moi, je me suis battu, il faut que nous zonga. J'ai pris mon avion le 4 juillet, je suis arrivé à Kinshasa. Mais, bref, avec la crise qu'il y a eu un an après, j'ai été expert national du débat national de Laurent Désiré Kabila en 99. Ça, c'est après avoir représenté Laurent au Kassai oriental pendant la guerre. Ngaïna Bunda, Nakenda Nafon Yakabinda. Au nom du président de la République, Laurent Désiré Kabila, avec le général Moufo Vendicien et le général Zimbabwe. Ngaïna Kenda Kubundana, Baruberwa, Tangwe Mwamba, Lambert Mende, tout ce monde-là que vous voyez à Kinshasa ici, pour Bazoua Miba, Bazoua Diamante Nambouchmaï, parce qu'il n'y avait que la société Miba qui se battait contre, qui donnait l'argent pour l'effort de la guerre. La Jekamin ne marchait pas. Et Moussé m'avait demandé que yo, Zadi Prince, à Bakouanga, vous allez moi, Nambujumai, Kende, Moundisa Batouana Bakouanga, Diamante. Je fais mon travail jusqu'à aller représenter Laurent Désiré Kabila au fond de Kabinda, au Kassa Oriental, avec les deux généraux dont je viens de décider. Naïkozonga na Kishasa, Tobandis, Koyo débat national, Moussé m'a demandé d'être expert national au débat national. Qui était le directeur du débat national? C'était Yerodia. Non, moins au Congo, et les autres. Voilà, c'était pour préparer la fin de la guerre. Ça n'a pas réussi à l'autre, il y a une consultation nationale. J'étais toujours expert national. Il y a Marini, il y a Archbishop Cardinal Echao, et puis, nous avons un professeur Massara Massolo, qui était le secrétaire général de la consultation nationale des leaders des églises, pour tout préparer ce San City, Pretoria, tout ça, donc dialogue intercongolais. Mais pendant ce temps, j'avais recruté, j'étais dans la liste de recrutés, chaque autorité politique congolaise, chaque représentant de la société civile, c'est là que j'ai connu Paul Nsapu. Et c'est là que j'ai connu, donc tous les représentants des leaders religieux, tout le monde à ces deux forums, j'étais à la place clé, j'étais expert national. Mes frères, écoutez-moi bien. Je fais les deux forums nationaux. Je n'ai jamais vu le nom de Fayoul. Avec la consultation nationale en l'an 2000, nous avions plus de 3000 délégués venus même des territoires occupés. Et moi, je les logeais. Je les recrutais, je les nourrissais, je les logeais dans des hôtels partout à Kinshasa. Je n'ai jamais vu le nom de Fayoul. Voilà. Autour de Tshisekedi en 2011, je commence à parler avec Martin Fayoulou, avec Diomi Ndongala et avec Chabani, qui était secrétaire général de l'UDPS, pour même la prestation des serments de Tshisekedi. C'est venu de ma bouche ici à Londres, devant mes collaborateurs. Mon directeur de cabinet, il est devant nous, Maître Bamenga, Pasteur Chabani et les autres. Je pense que les deux noms-là, vous pouvez vérifier. C'est de ma maison à Londres que j'ai dit à ceux-là qu'il faut dire à Étienne Tshisekedi a prêté serment dans Ndako parce qu'on porte dans la stade. Maintenant, le fait qu'on parlait ensemble, quand Tshisekedi est élu, vous vous souvenez qu'au mois de janvier, le Lumbala, Roger Lumbala, le Fayoulou, Lisanga Bonganga et les autres sont sortis, ils sont venus Paris, Bruxelles, jusqu'à Londres. Quand ils arrivent en Angleterre, Fayoulou devrait donner une conférence à Birmingham. Mon jeune frère qui est là-bas me dit, dont j'ai dit le nom, il me dit,
votre ami va venir donner la conférence. Est-ce que ça ne sera pas possible que Woya pose la conférence ensemble, pose la Awa, beaucoup de nos Birmingham, avec mon équipe de travail, na kutani na fayulu physiquement pour la première fois en janvier, fin janvier 2011-2012. Ce qui dit, venait d'être élu président, il venait de prêter serment et il n'a pas composé un gouvernement. Celui n'a fallu dans l'hôtel. Je dis, mais pourquoi ce qui dit ne crée pas un gouvernement? Je dis, nous aussi, on ne comprend pas. Je dis, mais il a prêté serment. Mais pourquoi il n'en a pas? Quel est ce président qui fait 48 heures sans créer un gouvernement? Mais vous avez compris ce que je vous avais dit. Mais pourquoi il ne donne pas le gouvernement? Je dis, mon cher, ça dépend que de lui-même. Je dis, non, vous n'êtes pas ses enfants. Vous devez lui dire de créer un gouvernement. Parce qu'il ne peut pas être seul. Mais dès que vous venez à Londres, faites un effort que tous se rencontrent comme ça, tous en long, en large. Février, Fayulu est arrivé. Et il était loin, là-bas, vers le Wicham, à Kéina Zuyé, à 11h du matin. Et pas il y a un lever à le bitou que de Bissoumi Barreté. Il accepte que le neveu soit avec nous. Je dis non, 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 rien à ça. Le neveu travaille quelque part dans un hôpital à Londres, il le connaît. Il est le seul témoin, le petit là. Et là, nous sommes en février 2012, je viens avec Fayulu, tout près de ma maison, je dis que mon cher, il y a tout à manger chez moi, mais je ne veux pas que tu boives chez moi, je ne veux pas que tu manges chez moi. Tokusumba bilokunyon so awa, yonangai, tokusala toute une journée à deux. Mais biloko tokolia, biloko tokomela. Moi je paye pour toi. Moi je ne bois pas de l'alcool, mon cher. Il m'a dit, moi je ne bois jamais de l'alcool. J'ai dit très bien. Il faisait un peu beau, j'étais petit. Tu peux t'asseoir dehors, dans mon jardin. Il faut que tu sois dans mon. Il n'y a pas de témoin ici. Voilà ce que, la question que vous venez de me poser, mon jeune frère journaliste. Donc, on a tourné Fayulu la première question. J'ai dit, j'ai géré deux forums à Kinshasa. Débat national de Laurent Désiré Kabila et consultation nationale des leaders des églises 1999 et 2000. Je n'ai jamais vu ton nom dans ces choses, dans tous ces forums nationaux. Mais je me demande, moi j'ai quitté Kinshasa en août 2003, pour aller à Kukunda, côté où il y en a Londres, là-bas toi. Mais toi tu étais où et tu faisais quoi? Comment d'un coup, tu te retrouves autour de Tien Tshisekedi? Avant ton banda, la ligne est quand même là identifié. J'espère que vous avez un peu de temps. Tu as un peu de temps, professeur Tshakudia, pour te solo, mais tout nous a été bien. Na Martin Fayulu, il fallait la identifier parce que nous avons un peu de temps. Même vous, je vous ai appelé tout à l'heure, non? Oui, oui. Bon, avant de demander l'émission, vous avez entendu mes questions? Voilà, oui. Non. Tout, même de Bamindé, il a dit que Tshakudia ne peut jamais s'asseoir avec quelqu'un s'il n'a pas identifié. Mon directeur de cabinet, je lui dis, va voir ce monsieur au Parlement, donne-moi le briefing sur lui avant la guerre de Parlement. Ouais. Donc, je ne peux jamais m'asseoir avec quelqu'un que je ne connais pas. Vous allez Mundele, vous allez Moutoumouindou, je dois d'abord vérifier. Qui tu es? Si tu es une seule personne, je ne viens pas. Si tu es au Parlement, oh, tu es black backbench, je ne viens pas. Je dois savoir que je parle avec quelqu'un qui décide. Alors, la bandit Fayulu a dit, mais mon cher, deux forums, j'ai reçu et j'ai recruté bah, tous les hommes politiques du Congo, de tous les niveaux. J'ai recruté tous les leaders des églises, tous les leaders des ONG, où il n'y a pas droit de l'homme et tout ça. Au forum de leaders des églises en 2000, j'avais près de 3000 Congolais. Toute la classe politique, toute la classe société civile, toute la classe des représentants des religions. Je n'ai jamais vu le nom de Fayulu. Toi, tu sors d'où? Dites-moi un peu avant que na ébisso makamunangai. Tout ça à deux dans mon salon, dans ma maison à Londres. Et puis, deuxièmement, Fayulu a commencé à me dire ceci. Il m'a dit, mon cher, Ngaï, dans la conférence nationale souveraine, maintenant, je vous donne sa biographie. Parce que Batumingi, Bayebi Penzate, donc il faut quand même, tout bandoye baka, makamba politicien, na biso boyepo, Mingi Bazalika Koyoba, donc faut tout yo karabiso ba professeur. Pour comprendre pourquoi
j'avais fait mon dévolu, pourquoi j'avais accepté de travailler avec Martin Fayulu. Martin Fayulu me répond ceci. Dans mon salon, février 2012, je lui pose cette question, Martin Fayulu me dit ceci. Il me dit, mon cher, Ngaï Nabanda, ce que j'avais aimé chez cet homme-là, c'est la simplicité. Il est humble et il est très respectueux. Il m'a dit, mon frère, moi j'étais à la conférence nationale souveraine avec les Étienne Tshisekedi et tout le monde. Kuna na salaki musala na bango na zaki président ya telle commission. Après na zongeli makamunangai ya pétrole. J'ai dit pétrole, oui. Oui oui, je suis arrivé jusqu'à être patron ya Exxon Mobil. Directeur général ya Exxon Mobil dans tel pays africain. Na tanga na Congo, na tanga na France, na tanga na États-Unis. Nazaraki même pe na Angleterre awa na ba stage na ba biloko mususu ba biloko ya Exxon Mobil. Exxon Mobil ezali ya ba américain, ba français pe bazana kati. Ezala kama pétrole. Na koma ka directeur kuna. Je dis mais alors pourquoi maintenant tu es à Kinshasa? Il dit non. Vous voyez là j'avance, ngai na banda politiquement na muke. C'est pourquoi na yeko tika makambo wana, j'ai pris la pension prématurée. Ba futinga ba mbongo na ngai après les ongi na Kinshasa. La tiki moussala wana pona kenda kousala siko ma carrière politique. Nous sommes en 2012. J'ai connu cet homme autour d'Étienne Tshisekedi. Il était le patron de Tshisekedi for President. La dynamique de Tshisekedi pour être président. Il présidait cette histoire. Avec les gens Mindongala et les autres. Alors, moi je lui dis, je me pose une deuxième question. Il dit, ah bon, tu es rentré là-bas. Mais mon cher, j'ai appris que toi, j'avais déjà fait des enquêtes sur lui. J'ai appris que toi, tu es retourné à Kinshasa après moi. Parce que moi, j'ai quitté en août 2013. Mais avant août 2013, toi, tu n'étais pas à Kinshasa. Tu es entré à Kinshasa en quelle année? Et en quel mois? Il m'a dit, toi, tu as quitté en 2013, août. Oui, mais moi, je suis entré en novembre 2013. Tu venais d'où? Où je venais, il m'avait cité un pays africain où il était patron d'Exxon Mobil. C'est là où il a pris sa retraite prématurée. Pour qu'elle ne soit pas là. Il dit, ah donc, maintenant je comprends. Mais maintenant, toi, tu rentres en novembre 2013. Moi, je viens en France, je fais un an, et puis je viens ici à Londres en 2014. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2012. Mais comment toi, Fayulu, j'ai quitté Kinshasa, il n'y avait pas d'argent dans les circuits. J'étais à la présidence de la République. J'étais conseiller spécial du conseil spécial de Joseph Kabila, Maître Mbuyu. Je connais tout sur le Congo. Moi, j'écoute. J'ai refusé quand j'ai compris que Maître Mbuyu était de fils de Mère Toussi. Donc, j'ai travaillé que les gens, Mère Toussi, moins un Congolais, Mère Toussi, Général Kaloumé, Mère Toussi, tout le monde, Mère Toussi. Oh! Et quand j'ai dit ça à Maître Mbuyu, j'ai compris que j'étais en danger. Il m'a dit que non, j'ai parlé avec le président, je lui ai dit que tu es déjà dehors. Quand j'ai demandé à mes gens pourquoi il vient me dire ça, oh non, il faut qu'un de ces noms ne soit pas. J'étais bon, vous êtes dévoilé, vous lui avez dit la vérité. J'étais bon, et c'est comme ça que je suis parti. Même quand ils entrent avec les quatre, moi j'étais à Kinshasa, au mois de mai. J'ai quitté au mois d'août. Et Mbemba voulait que je sois son sénateur. J'ai reçu l'homme de Jean-Pierre Mbemba, un colonel, comment il s'appelle encore, hein, où je lui ai dit que non, le dossier est là, Mbemba va être arrêté et qu'il va faire ce pays. Même s'il devient président de la République, bah, français, bah, quand il s'y est. C'est Samato. Bato Bayebi, Mobutu, Bayebi, circuit à Mobutu, comme on a cité même Jean-Pierre, s'il m'écoute, il connaît son chef de sécurité qu'il m'avait envoyé avec son papa. Papa Jadon Mbemba, dont je respecte la mémoire, que je m'incline. Donc, Patindelengaï Samato. Samato Zaki, Mouta Sécurité, à présent Mobutu, Mbemba a récupéré que Batia Mobutu Nyonso, c'était lui qui était l'homme de sécurité. Mais j'avais ce dossier-là, il n'y a pas français pour pas Kangaye. Et c'est à Samato que j'ai dit, Tita Jean-Pierre, Amata Akita, pas français pour Kangisaye, Mam Kambouya, Yanini, Ya quoi, Ya Centrafrique. Il y a Boulogne qui est à Salaki, et ça qui est Boulogne qui est à Français. Donc, mais même a dit, il dit, c'est prof,
Atika na biso tout ça les sénateurs na biso parce que nous sommes en train de recruter nos gens. J'ai dit il ne va pas me donner ma sécurité. Le corps na moni ba Robert bazongi awa ba tous bazongi na mboka oyo. Je n'aurai pas ma sécurité, il faut na kende. Même il ne peut pas me garantir parce que lui-même il est déjà prisonnier. Mais il est vice-président, j'ai dit non. Je viens de te dire ça matou. Kendo ye bisaye azo alandanga na France na aidé ye na ba relation na ngai. Mbemba avait refusé de venir. J'ai fait un mois. J'ai appelé ça Samato, le colonel Zossi Pierre, qui est mort à Londres ici. Batikala un mois. Donc, comme en France, pendant chaque jour, j'appelais Zossi. Pendant un mois à Paris. Est-ce que Boussololi, est-ce que Jean-Pierre arrive quand? Oh, Jean-Pierre arrive quand? Oh, il a dit que attendez. Samato m'a dit d'attendre. Samato m'a dit, après un mois, j'ai dit, Tikaye, à quoi s'il en a ces pays? On a qui a Kenda qui a salé qui dit ça. Alors, pour revenir à l'affaire. Donc, pour dire que Fayoulou, maintenant, il va me dire qu'il est venu à qui? Il est venu à Kinshasa après moi en novembre 2014. J'ai dit à Fayoulou, ah, voilà pourquoi je ne vous ai pas vu aux deux forums que j'ai géré à Kinshasa. Débat national et consultation nationale. Maintenant, dites-moi maintenant, quand tu arrives en novembre, dit Fayoulou. Avant de tout bander ma cambo sérieux, il y a Bissanga et non. Quand j'ai quitté Kinshasa, il n'y avait pas l'argent en circulation à Kinshasa. Depuis Mouzé, il n'y avait pas d'argent. Toi, tu arrives en novembre et j'ai appris que tu as acheté un terrain et que tu as construit un hôtel de luxe presque 5 étoiles. Tu as eu l'argent où? Et cet hôtel-là fait face à l'hôtel intercontinental. Ce qu'on appelle aujourd'hui, je ne sais pas, le grand hôtel ou quelque chose comme ça. Le grand hôtel, oui. Comment toi, tu peux acheter un terrain là-bas? Parce que quand j'ai quitté, il n'y avait pas d'espace pour construire un hôtel. On me dit que ton ami là, il a Faden House. Faden House, c'est un hôtel luxueux que toi, tu as, non seulement tu as acheté le terrain, mais tu as construit. S'il y avait une maison là-bas, tu as détruit et tu as construit un hôtel de luxe. Tu as eu l'argent. Nous sommes à deux dans mon salon. Fayoulou me regarde. Il me dit, ah bon, vous êtes bien informé. J'ai dit, oui, je ne suis pas n'importe qui. Je vous ai dit que j'étais conseil spécial, du conseil spécial en matière de sécurité dans les bureaux que Nguanda a vécu. C'est moi qui ai contrôlé ces bureaux-là. J'ai contrôlé Joseph Kabila et Maître Mbouy. Les deux n'étaient pas intelligents comme moi. C'est moi qui contrôlais tout le Congo dans ce bureau-là. Mais cet espace-là, je n'ai pas laissé un hôtel là-bas. Si tu ne me dis pas comment tu as eu l'argent, et comment tu as construit cette affaire, mon cher? Notre discussion, on va terminer ici. Fayoulou m'a dit ceci. Il m'a dit, mon cher, je viens de vous dire que j'ai pris la pension prématurée, j'étais patron, il y a pétrole. J'ai gagné beaucoup d'argent et j'ai eu aussi beaucoup d'argent de compensation pour assister à mon salaire à Ngaïwana, dans son Namboka Nangaï, dans ma politique. Et quand je suis arrivé au Congo, avec l'argent que j'avais à main, je préférais prendre cet espace et construire mon hôtel pour que mon argent soit investi. Je dis, ah, là maintenant tu commences à me convaincre. Maintenant je lui dis ceci. Je dis, Fayoulou, Martin, je vais te dire une chose. Un ami m'a dit que toi tu es millionnaire, mais tu n'es pas millionnaire en francs congolais. Tu es millionnaire en dollars. Fayoulou, à ce que tu n'as qu'à dire. J'espère que vous me suivez. Oui, professeur Takoudia, toujours l'endroit parce que les autres qui n'ont pas ça, tout, mais au Yoka, mon aîné, il y a président Martin Fayoulou, parce que nous avons tout, donc il faut expliquer, monsieur Mambébé. J'ai dit à Fayoulou, avant de dire à mon ami, il faut, un ami à moi qui n'est pas de moindre, m'a dit que ton ami là, il est millionnaire, mais il n'est pas millionnaire en Zaïre. Il est millionnaire en dollars. Dollars. Fayoulou a surtout été acquitté. Où est-ce que tu as eu tous ces millions? Ah bon? Moi, je suis millionnaire. Il dit Fayoulou, il ne faut pas jouer les jeux que tu joues là. Martin, moi, il m'appelle Julien, moi, je l'appelle Martin. Il dit Martin, il ne faut pas jouer les jeux que tu joues. Dites-moi, mon ami, cet ami-là, je le crois quand il me dit des choses, parce qu'il est dans les circuits bancaires. C'est un grand directeur de banque, la Banque centrale. Il m'a dit que ton ami là, il est
multimillionnaire, mais pas millionnaire en Zaïre. Parce que les Congolais ne connaissent pas Fayulu. Ils croient que c'est un imbécile comme ça. Non! Oui, mais Batebele, okay. Bazako, Kamwa Balobi, vraiment, en tout cas, Mate Fayulu, Lelo, en tout cas, Congo, Mobimbado, Kakoum, Nenge, Mobutu, Azalaki, Boyoka. Parce que moi je ne flatte personne. Avant la salle, il faut naïe, Bayo, madame. J'ai dit, Martin, avant naïe, Bissio, Makamunanga, il faut naïe, na vérifier, Biloko, Nazanango, Bayo, information, Nazanango sur toi. Et quand je lui ai parlé de cette affaire des millions, Fayulu a soutouki. Il m'a dit, Julien, dites-moi un peu, qui t'a dit que moi je suis millionnaire? Moi je lui ai dit, je ne veux pas aller par quatre chemins. Tu connais-t-elle? Le cousin de Tshisekedi qui était avec vous là-bas, il m'était. Il était, quand je suis parti au Kassai Oriental pour défendre Mouzé me l'avait confié pour appeler ça Ngambongo pendant la guerre. Il était le patron de la Banque centrale du Kassai Oriental. Il est avocat, il est maître formé et il est banquier. Et puis il est patron de la Banque centrale. Il m'a dit que Mouninga Nayo, est-ce que vous savez que votre ami là est millionnaire? Il a dit, ah, si ça vient de lui, je ne peux pas nier. Mais je ne sais pas ce que tu veux dire par là. Tu as compris? Toujours là, Nayo. Bon, alors j'ai dit à Fayulu, maintenant, je t'ai dit ça, maintenant je vais te dire une chose. Mouni Moussala n'a pas ça à Londres, mon frère. Parce que vous dites ça, ngai na comment na banda moi na muke musala oyo. Yo yebi ngai te parce que na kola na Canada, na kola na Poto. Ngana za moi na Poto, na kola li banda. Mais na yaki kaka du temps de musée parce que ta préparé ki bitumba na ngai na 200 na Museveni. Pour na lungula Mobutu. Mobutu ayeba ngai personnellement. Je travaille pour Mobutu au Canada comme dirigeant de la Jean-Père. Je travaille avec tel comme je viens de vous dire. Et puis, bazwa biloko na ngai na kende boye, ya théorie de libération, na boye kama kamo na bango, j'ai failli mourir, et puis, je me suis retrouvé encore deuxième fois en exil. Mon frère, Mobutu était notre frère. Mobutu était dictateur, oui, amené par les Américains pour asala biloko wana, bango bazwa biloko na sima na ye. Après, ben, yoko sacrifié ye. Ok, on va pas continuer comme ça. Mais professeur Chakudia, Bolimbisi, tokati mwa mukete na bandi bandeko bazali pe ko komela ngai balobi to tuna na mwa mituna mingi. Professeur Chakudia, ya solo bandeko bozala na bokebi nana Anatole bambote mingi koko madera bozola ndabiso bo publier tozali en direct ya avis du public ya solo bandeko langai matondo mingi Tony Blair. Professeur Chakudia, lelo au monisi biso monene ya Mate Fayulu boye banaki, mais tolongi toyeba lelo tomoni Mate Fayulu a se retrouvé lelo na ba corps o ezaki na Genève pour to komanda no wana professeur Chakudia. Meka komonisa biso comment Mate Fayulu azalaki eli na ba corps oyo ezaki na Genève parce que batu belé bazali koloba ke solo ba satandaki ke kozala Félix o azali bongo ndengo lobi ke azalaki proche na kati ya UDPS. Alors tolingi leto yeba professeur yo azali moko poza na kati ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba comment azalaki ke ba ikarte Félix ba pesi bokonzi wana na Mate Fayulu. Je vais vous dire une chose, je voulais y arriver, je voulais vous dire que depuis ces jours-là nous sommes attaqués, moi et Fayulu. Avec Martin, on a dit, mon cher, toi, tu vas retourner dedans. Tu vas dire à Etienne Tshisekedi ça, qu'il te nomme premier ministre, qu'il nomme Diomi ministre de la Défense, qu'il crée un gouvernement et puis tout va. Puis de mon coboyé, jusqu'aujourd'hui, Etienne Tshisekedi, bien son ami, il est là. Est-ce qu'il a créé qui gouvernement? Après, pas qui serment. Vous avez vu un ministre d'Etienne Tshisekedi? Jamais un ministre d'Etienne Tshisekedi n'a jamais créé un gouvernement. Mais lui-même s'est fait président sans gouvernement. Deux semaines après son retour à Kinshasa, Martin m'appelle pour me dire que j'ai vu Etienne Tshisekedi. Nous avons parlé à deux. Je lui ai dit tout ce qu'on avait discuté chez vous à la maison. Maintenant, nous attendons que lui-même publie le gouvernement. Dis-le, comment le gouvernement Etienne Tshisekedi? Non, tout le monde a parce que tout le monde a prêté serment à la siège, mais le gouvernement, ça l'a dit. Donc, à tout
tikalaki ngai na fayulu na yebisaki fayulu ke omoni bandeko na ye bakombata na baresista omoni mosala toza kosala libanda toza lisusu na probleme ya dictature te tokomi na occupation na batusi oyo yo kozala na kati ngai na kozala libanda je veux te sécurise oyebi ba nazali moto ya maboko milai j'entre là où beaucoup de gens n'entrent pas. Même Étienne Tshisekedi le sait. Oui, Étienne, le fait Étienne m'a dit ça. Bon, toi tu vas être dedans, moi je vais être dehors. Parce que je suis à 8000 km. Je dois opérer par quelqu'un là-bas. Mais Bassomba, il n'y a pas d'aussi. C'est parce que toi tu as de l'argent à faire. C'est pourquoi je t'ai dit que tu es millionnaire. Bande Kounayo, ça va pauvre. Bassomba, Kabango, Bangouba. Mais toi, tu ne peux pas te faire acheter par ces gens. Lève la tête. Sauve-moi le Congo. Ngai na kozala sima. Ce qui va toucher yo, moi je vais dormir dehors. Depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, mon frère là, il a fait ce qu'on s'était dit dans ma maison. Osako yo kanga? Toza penza kolanda yo professeur Tshakoudia en direct il y a avis du public. Na bal da mutu. Mona ki Martin Fayulu na bal da mutu. Banda to yo kana ke basomba yo te. Martin m'a dit je veux le faire. Il dit Martin, personne ne te touchera. Voici ma force à l'extérieur. Oui, oui, le vieux éternel m'avait déjà dit que Moutouana a touché quand même le coup compliqué. Et voici ma force. Kende, Ganaza Libanda, Basomba Yote Nabatoussi. Nous devons sauver notre pays. Et Martin a eu, pendant toute une journée, de 11h à 18h30, j'ai mis tout le travail des combattants, des résistants dans Moutou et Martin. Martin, c'est un grand intellectuel. Il a tout capté. Maintenant, je viens de comprendre. Je lui ai fait comprendre mon travail ici. J'ai dit, comme De Gaulle, je suis venu à Londres, là où il était. Voilà le travail que je fais. Bande Kounayo, basi ba telemi. Kende nakati. Ne dites rien. Faites seulement ce qu'on s'est dit ici. Et Basomba Yote. Qui peut me dire, de tout le monde qui me suit aujourd'hui, que Basomba Kamartin, depuis 2012, a kalaki tout droit. Si Koyo Nazonga, avant Bakken na Genève, Ngai babenga ngai na mukolo ninga ya mbutu qui est mon ami depuis que j'ai l'âge de 23 ans. Je vais taire les noms, je t'ai donné le nom tout à l'heure. A Kende na Bruxelles. Et puis Singai adopte Jean-Pierre Mbemba. Jean-Pierre Mbemba vient de sortir de prison. C'est ton petit frère. Adopte syndicat de Kolo. Adopte Mwaloyo Moïse Katumbi. Parce que les bandes qu'on a yo, parce que les petits frères na yo, banana yo. Mbemba, c'est votre petit frère, il faut les adopter. Benda Bango Pembeni Nayo, Salam Sala, ou Banda Makamboy depuis Kala, Ngaï avec mon ami Mobutu, nous vous connaissons. Mobutu m'avait chargé de te prendre à Montréal pour Kenda Kina Kinshasa, ou Kenda Kikuna, ou Boyaki Makamyo. Mais vous avez vu sa photo avec moi en été ici. Vous avez vu que j'étais avec un grand patriarche de l'Équateur. Mbemba, c'est mon fils. Ok, voilà. Mbemba, c'est mon fils. Mobutu asi akufa, mon ami, sikoyo, zo un petit frère na yo bosala. Ngai na ye alobi, il faut lancer un message. Il faut au coma, pour lancer un message. Na coma ki na Bruxelles, na tendaki. Pendant que je suis à l'hôtel, Katumbi a tindenga muninga na ye. Je ne peux pas les citer encore les noms ici. Na yebisien, yebisa Katumbi. Pour na Congo, akoko zo Congo te. Azali moi na botame pa na biso, mais azali moi na ba étranger. Si koyo ye loko na botame pa na biso akaye kobala na mwasi ya batusi mwana ya Kagame atika Kongo kimya azala ta na passeport na sac na ye même 20 sacs ce n'est pas notre problème mais atika Kongo na kimya azongela camp de la patrie na zong na komi mukanda parti de mon hôtel à Bruxelles na j'ai adopté Mbemba j'ai adopté syndicat na zong ki na Londres j'ai fait une émission vous avez suivi. J'ai dit, j'ai adopté Mbemba, j'ai adopté syndicat. Maman Marceline m'a posé la question que papa, vous tournez à 180 degrés. J'ai dit, c'est pour sauver le Congo, ma fille. Papa, il a dit, moi je suis patriarche, mais il y a des grands patriarches. Bengi Singai, le big pour la première au Congo, adoptez vos frères, adoptez votre petit frère, Mbemba Jean-Pierre, adoptez votre fils syndicat. Il faut sauver Mboka. Même Katumbi, il faut l'adopter. Mais quand c'est pas Bango, c'est quoi Badobini? J'ai dit non, j'attends. Qu'il n'y ait pas ça le premier pas. L'heure même, il y a eu le premier pas, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a déclaré que non, et Museveni n'a rien fait au Congo. Et j'étais très fâché. J'ai dit, ah, c'est jeune homme ici. Moi, je l'adopte. Lui, il dit que Museveni n'a rien fait au Congo.
Et j'étais fâché contre Jean-Pierre. Mais Mais le au Seigneur Togo, avait fait pour le l'année, tour. professeur. Parce qu'à l'Oba qui me servait dans la salle et l'autre côté dans le Congo. Nazaki fâché parce que Museveni a tué tout le Congo. Qui avait fait de Jean-Pierre Mbemba général de l'armée? Qui avait donné à Jean-Pierre Mbemba général Kasini Yaba Ougandé? Ce n'est pas Museveni. Mais vous savez combien de gens sont morts là-bas? Vous savez pourquoi lui-même il a été arrêté? Mais il sort de là, il dit, il a, moi j'attendais qu'il me dise, non, vieux, c'est quoi Ndoku Tananto sur eux? Non, non, Museveni n'a rien fait au Congo. J'ai dit, oh, ce jeune homme n'a rien compris encore. Hein? J'étais très fâché contre Jean-Pierre. Mais dans le lobby, à Zalimouana, il faut dans la zone qui s'est toujours dans le camp de la patrie, parce que Togo continue à Museveni ne va pas camper. J'ai dit, Jean-Pierre, zongue la camp de la patrie. J'étais au micro de Tongomo. Hein? Tongomo, comment s'appelle le jeune homme Tongomo, à la télévision. Je suis revenu chez maman Marceline. Donc, j'ai dit, Jean-Pierre doit revenir dans le camp de la patrie. Katumbi, tu dois savoir que l'argent que tu as dans tes mains, c'est l'argent du Congo. Zongue la Congo. C'est comme ça qu'il y a Kagame. Yo, même, zongue la Congo. L'herbe, il y a beaucoup de temps, Félix Tshisekedi à Bruxelles. Moi, j'étais à la télévision au micro de maman. Maman Marceline Mido le même jour. Et je pense que les gens m'avaient suivi. J'ai dit, de tout ce monde que vous voyez là-bas, Naba Mouzito, tout ce monde-là, ce sont des aventuriers. Nous, tout le monde, quoi, ça, wana. Maman Marceline m'a posé la question, papa, nani wana. J'ai dit, il y a un monsieur qui est intègre au Congo, qui a déjà compris pourquoi les combattants sont debout. C'est Martin Fayoul. Mais papa, il y a ça, il y a deux personnes. Il n'y a même pas trois personnes derrière lui. J'ai dit, non. Même les DPS que vous voyez là, Tshisekedi Etienne ne représentait rien. Tshisekedi a été créé dans ma maison par mon oncle. Tshisekedi ne représentait rien. Il n'était même pas connu chez nous au Kassai. Quand vous connaissez d'abord votre problème, il faut identifier le problème dans Bino Bakongolais. Tout ça, Koubundelani, pourquoi les combattants sont debout le monde entier? Parce que le Congo est occupé. Alors, Nani, Tokoko Kote, Ngaï, je suis à 8000 km. Je n'ai pas tous les moyens d'État. Mais tout ça, il y a un mot qui assez à comprendre le problème de Bissot. Moutouana Nani, Martin Fayoul. Moutouana Zana Belgique, Nabatouana Fé. Batouana Bassa Baventurier, Bassa Bassa Baventurier, Naba. Il faut que Moutouana, Bissot, toi identifié, yé. Toi, yé, bah, problème de Bissot, toi, le baké. Moutou, y'a Koko Sali sa Bissot. Après, toi, qu'il y ait, en tant que leader de Bissot, après, toi, une population, toi, qui s'y manaye. C'est comme ça que nous avions créé Etienne Tshisekedi. Ce qu'il dit, pour le créer, il y avait Mbouankem qui était devant Dundu, il y avait Liao Marcel de l'Équateur, il y avait Kibasa, Kiungu et Lumbu du Katanga, il y avait Birunda de Kivu, il y avait Ngalou Lampandajila, mon oncle Kanana, et Makanda Mpinga, et Pindu Wabwa du Kassai Oriental, il y avait Kapita Chabani au Kassai Occidental, il y avait encore qui au Kassai Occidental, et puis Belangana au Kassai Occidental. Donc, il y avait tout le monde autour. Mais il faut que tu identifies Moutou qui a compris les combats, il y a occupation Wana, qui a compris que le Congo est pillé. Tu pécier Bokonzi, tu une population tout inassimanaillée. Ça faisait une semaine avant Genève. Papa, Kassi, Moutouzoko, Martin Fayoulou, il n'a même personne. Il s'est dit, ce n'est pas un problème. Population Moutou, aucune personne n'est née avec la population. Moutou, mon côté, aya kana di boum, ya maman naye, nabatou, batou, ba pesa ka Moutou. Batou, ba za, ba kousa la leader na bango, ba zui population batine sima naye, batine zoto naye. Ah, papa, mais il est quoi les aïe impossible, hein? Une semaine après, ba kenda kina Genève. Voilà, maintenant j'arrive à Genève. Ba kenda kina Genève, moi, na tiseke d'aïe na ma peka naye. Ya été peuple na tatanaye. Mais il ne connaît même pas comment son papa a été fabriqué. Il connaît rien du tout. Il ne sait même pas comment son papa a été fabriqué. Mbemba, Jean-Pierre, est plus politisé que le petit de Tshisekedi. Mbemba, Bakomikuna, Bavandi, Batali, Batali. Moi, j'avais déjà frappé sur Mbemba, j'avais frappé sur Katumbi. Kuna, Bakeina, Kisasa, on les avait déboutés. Parce qu'il est sous l'espoir. Mais moi, j'ai continué à frapper sur Mbembe et Katou. Osong est la grande de la patrie. Et leader, on le crée. Et leader, on identifie notre problème et on colle la population derrière le leader. Tout est archivé. Pour que tu aies Facebook, il y a maman Marceline Mido.
Autant, voyons ma vidéo, et tout est sur l'archive. Mais professeur, Bolimbisi, professeur Tchakoudia, Oui. bah te belé, bah komilinga wa balobike, bah te belé, bah dengen de quoi komilibiso alobike, professeur Tchakoudia, ye alingara Félix, si tu te kédite, ponanini. Et là, on va répondre à la moutouna wana. Parce que... Je vais parler des choses importantes, on est en bas de détail. Est-ce que l'air va kenda qui na Genève, nga inde moutouna ke kwe yibisa mbema na katoumi, koko pesa na katoumi. Non. Hein? Ezali esprit. Moi, je suis prince de Bakwanga. Dans ma maison, nous avons créé Étienne Tshisekedi qui est devenu Étienne Tshisekedi. Du coup, yon gai na zara, si quoi yon abanda kubunda, si quoi yon amouana Tshisekedi. Moi, j'ai amené Tshisekedi. Qui connaissait Tshisekedi dans ce monde ici? Dans Tamboura, na kumbuya Tshisekedi, na kumbuya IDPS, monde entier avec mon argent. Na teka banda ku na monde entier. Tuna ye waza kutuna yo question wana ke. A tuna Félix, a yedi professeur Tshakuta te. Asi a ben ngai combien de fois lelo banda bazui bongo ya katumira bongo ya kabila a ben ngai sos ni na mama na ye a ben ngai sos moi je mange maman Marthe me servait dans l'assiette tout na maman Marthe lelo pour que ne pas permet na ye a ye bi chakuta te est-ce que asi a ben ngai banda bazui bongo ya katumbi na bongo ya kabila na mwana na ye est-ce que wana izali na linga kama na tsekete est-ce que ndo problème wana tsekete c'est mon enfant. Mais moi, c'est qu'il faut que Azara quand même a respect, Yabat. Ngaïna Kendako Majenier, après Tshisekedi, Nakendako Majenier, c'est quoi dans moi, Nanaye? Nazako, ça, le royaume. Mon frère, tout ça qui est dans le royaume. Mbemba qui a donné le pouvoir à Fayoul, il n'est pas l'enfant des riches. Il n'est pas l'enfant d'un pouvoir. Katumbi qui a donné l'argent, qui a donné le pouvoir là-bas. Asta na hene na Félix. Na yebi si bango bozonga la kande la patrie. Bozo mutu tokoko mema na bokonzi. Ils sont partis à Genève, ils ont compris mes messages, ils ont donné le pouvoir à Fayoul. Alors si kon ngana tekala na sima. Pona ke ne sikoy pa mwana ka mwana tsekedi pas ka za muluba. Ngana ima ka mwabaluba te, na ima ka mwabatribi te. Mon père m'a pas éduqué comme ça, ma mère m'a pas éduqué na ba ka mwabatribi. Moi je vois le Congo. Je vois un Congo prospère, un Congo grand. Un Congo au centre de l'Afrique, respecté. Je veux voir les Congolais vivants, les Congolais joyeux, les Congolais na vie. Les Congolais basa ko vivre parce que basa na ma ressource. Mais les Congolais basa la respecter. Mais les Congolais basa la respecter. Je ne peux pas aller me cacher derrière Kagame, derrière Museveni. Je ne peux pas donner le Congo à ces gens-là encore. Je me suis battu le monde entier pour que Congo ait zongé là-bas au Congo. J'ai utilisé toutes mes relations, même mes enfants. Vous avez vu sur mon Facebook, je viens de mettre mes filles avec Katumbi. Est-ce que Mgaïder, Katumbi, avait accueilli Koukoutana, Nabana Nangaï, dans les milieux où il y a anglais, dans Zakikuna? Je n'ai jamais présenté cette photo. D'ailleurs, cette photo, je l'ai eue comme ça au hasard, Bana Nangaï, Babumba photo. Mes filles ont gardé la photo. Disent papa, Mgaï Nakoutana, Katumbi, en Afrique du Sud, partout dans des milieux où, avec les chefs d'État africains, ma fille. Voyage avec des jets privés. Ma fille voit tous les chefs d'État africains au nom des Britanniques pour les investissements. Mais ma fille m'a déjà dit, papa, je ne peux pas te dire plus. Talaboy, mais moi, je ne peux pas te dire plus. Aujourd'hui, j'ai dit à mes enfants, mes filles, que Bossalato, oncle Nabino Martin Fayoulou, a son pouvoir wana. Pour utiliser ma relation dans le monde. Il faut que les États-Unis, l'Angleterre, se mettre debout. Martin Fayoulou a son pouvoir, parce que ça ne va pas être facile pour lui. Il est déjà élu par le peuple. Mais on risque de nous faire ce qu'on nous a fait en 2011. Il y a une question que pour nous, il y a une question que Félix Tshisekedi, est-ce qu'il y a un peu de temps à faire un peu de temps? Il y a un peu de maman a eu un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Professeur Tshakoudia, bande copé balandinio so. Baibaso bazo landa biso na emission boko ka bayindo tozali en direct ya avis du public ya Didé Masuki mobali ya mande fo pembe bande ko tozali kokoba se kokoba merci ya mingi ya solo Alexis Champagne Bibeson Ngoma merci ya tro Mbiomat baibaso landa biso bozali ebele lisupolele mbote siko zali ya solo professeur Mutuna Eyali omunisi biso ndenge Martin Fayoulou azalaki bongo eli
bato minene bazali kuna bato ya mbongo lokola Jean P. Bemba Gombo pe ndeko na biso félicite bazo ko féliciter ndeko na ngai mon petit frère Jean-Pierre Mbemba bazo ko féliciter mon fils mon petit frère Katumbi même Dokolo il doit embarquer dans cette affaire le petit Dokolo c'est mon fils moi j'étais l'ami de papa Dokolo donc j'ai dit ceci et comme eloko ya kozongisa Congo na place na ye. Maintenant, le leader que nous avons eu, c'est cet homme-là qui a été créé par Mbemba et Katumbi, sur ma demande. Maintenant, moi, je ne peux faire qu'appuyer sur cette affaire. Je ne peux faire qu'appuyer parce que je ne vais pas mourir, laisser le Congo dans des mains sales. Moi, Tshisekedi a une femme qui est aussi rwandaise. J'ai déjà dit ça. Et quand il va à Kigali, il leur dit que moi je suis votre beau-frère, ceux qui ont pu s'ingérer pour voir la sécurité du Congo. Non, le Congo mérite mieux. Nous ne pouvons pas aller à Kagame, à Museveni pour gérer notre pays. Il faut que le Congo revienne aux mains des enfants du Congo, que le monde entier ait négocié pour voir la ressource du Congo avec les Congolais. Et que nous tous, les Congolais, on se mette debout avec tout le monde entier. Pour construire le Congo rapidement. Dans les 10 ans, je vais voir un autre Congo. Et Martin Fayulu est capable de nous donner ce pays-là. Matondo mingi ya solo, Martin Fayulu, professeur Tshakudia, ya solo tout ko landa belection après Genève, Tomolaki, Bazongaki, pour basa la belection na mboka Congo. Belection est déroulée dans ndenge moko vraiment en tout cas batonneuse dans la communauté internationale ba contredire ba lobby qui a solo belection et l'équipe pendant mala moté parce que ba côté mususu ba voter alors professeur Tshakudia le loto landi Senko est proclamé ba résultat ba lobby que Martin Fayulu eli et loko nyoko loba le lo muto yo zalaki na ye oyo yo zalaki toujours serré na ye le lo Senko endimi ye muto à reporter l'élection. Et puis, professeur Tshakudia, pourquoi Seni Azali Kolinga a programmé le résultat de l'élection? Et là, on a déjà le cas, na katola, parce que tout le monde, les Américains, les Kolinga, les Tinda, les soldats, mais quand on monte ça, le professeur Tshakudia. Maintenant, il faut comprendre qu'en 2006, Jean-Pierre Mbemba avait gagné les élections. Je l'ai dit au Congrès américain le 11 février 2014. J'étais au Congrès américain devant Fengol, ma sénateur, ma parlementaire, ma vente. J'ai demandé à Fengol qui venait de terminer son discours que yo, Fengol, démocratie est l'ingolobani pour na yo. Yo, aux Américains, vous avez envoyé spécial il y a Barack Obama dans le Grand Lac au Congo. Démocratie, vous avez envoyé spécial. En 2006, là, Jean-Pierre était en prison à La Haye. J'ai dit en 2006, le 11 février. 2014, j'étais invité au Congrès américain. J'ai dit ceci. J'ai dit, Jean-Pierre Mbemba a gagné les élections, vous l'avez amené à dire, oh, j'accepte l'inacceptable. 2011, Bolobi, ah, peut-être, 2011, Tshisekedi a gagné à l'œil. Et vous n'avez pas voulu proclamer Tshisekedi président de la République. Maintenant, vous voulez qu'on continue toujours à faire des élections? Quand j'ai fini ce discours, Fengol, pendant le café, il m'a appelé à côté. J'ai mis cette photo sur mon Facebook maintenant. Là. Vous allez regarder, ça y est, là, sur mon Facebook. Votre frère là-bas, il m'a donné ça pour qu'on chasse ces petits-là. On n'en a plus besoin. Nous sommes maintenant en 2014. En 2016, il y aura élection chez vous. Il faut que tu tiens président en Soussoukouna. Il faut m'aider. Il faut qu'on chasse ces petits-là. Et 10 jours après que j'ai quitté Washington, on m'a appelé dans une maison, dans un bureau, proche de la maison blanche. Il m'a dit, mais ça, je n'ai pas de suite au Yoki. Mais, nani, à cause de la Kuna, parce qu'on ne voit personne. Yoté, on joue, n'ayo, ah. Vous m'avez vu à Washington en 2014, le 19 février, je me suis déclaré candidat président de la République, sur la demande des Américains. Donc, ça a l'air une 3 heures. Il y a un copain dans le micro qu'il faut ou de se prononcer avant aux avions. Pourquoi on a mis son pétrole aux avions pour qu'il n'y ait pas d'ailleurs. Vous voyez, c'est Joseph Kabila demain à 10 heures qu'il sera plus président du Congo. On a compris ce que vous nous avez dit. Je les ai rappelés ce qu'on avait fait du temps de Mobutu. Comment on a mis Mobutu dehors. Mais l'échec que nous avons fait, l'Amérique n'avait pas une politique africaine. L'Amérique n'avait pas un politicien
en Afrique, n'avait pas un militaire en Afrique. On comptait sur les Belges et les Français. Et voilà, nous avons, je suis revenu à Londres, Mangoba Kentucky. Fayulu m'appelle et me dit, mon cher, ici à Kinshasa, nous sommes en 2014, personne ne pense encore devenir candidat. Mais vous, vous êtes déjà préparé pour présenter candidat à Washington, et pas n'importe où, à Washington. Tout le monde vous a suivi. Le Martin Fayulu, 2014. J'ai dit, mon cher Martin, moi j'ai déjà mis ma tête. Je vais tomber là-bas. Il a dit, il n'y a que vous qui êtes candidat président, personne ici, personne dans le monde. 2014, février. Martin Fayulu aujourd'hui, avec l'apport de Mbemba Jean-Pierre, Namoïse Katoubi, que je salue, bravo à eux, à Zongi, le camp de la patrie, comme je leur demandais. Je n'ai pas de haine envers Katoubi, je n'ai pas de haine envers Mbemba. Ce sont des enfants du pays. Et donc, on a dit qu'on s'est en Bazong et la Congo. C'est Koyo. Tous ces battre. Je suis en train de me battre jour et nuit. Je ne dors pas. Il faut que Fayulu soit confirmé avec le vrai résultat parce que le peuple a voulu le changement. Le peuple a voté massivement Martin Fayulu. Je l'ai déclaré immédiatement après la fermeture de Paul, comment on appelle, le bureau de vote. Officiel, j'ai proclamé Martin Fayulu président. Et je lui ai parlé une heure avant. Je dis, Martin, j'ai vérifié tout ça de toute la journée, Congo entier. C'est toi qui es sorti vainqueur. Tu dois te proclamer. Il a ri. Je dis, moi, je te proclame dès qu'on ferme les pôles, officiellement à 19h, moi, je te proclame président de la République. Parce que j'ai déjà toutes les statistiques. Dans la nuit, le Congo, toute la journée depuis 6h du matin. Je me suis levé à 5h. Et Fayulu a ri. Il m'a dit, ah bon? Je lui ai dit, Martin, ne faites pas les affaires là de 2011-2012. Vous y avez dit ce que je t'avais dit dans ma maison en 2011-2012. Moi, j'étais programmé déjà. Parce que j'ai suivi et je suis sérieux dans ce que j'ai dit. Et vous avez suivi mon discours et après, on a cassé, on a coupé l'internet. Parce qu'il y a un Belge qui m'a écrit immédiatement. Oh, pour cette écoute, pourquoi vous vous annoncez les résultats dès qu'on ferme les ports? Je lui ai posé la question. J'ai dit à Maître Bamenga qui était avec moi, mon directeur de cabinet. Bamenga, sur mon téléphone. Comme il est belge, j'étais le nom. Comme il est Yesiko. Bazana Babi, Michel Wana. Bazana posé une fausse question. Comme il est Eyeboui. Moi, Tchakouda, j'ai grandi en Amérique du Nord et en Europe. Chez toi, en Belgique, là-bas, le Exit Poll, va programmer Gayango par la CENI ou bien avant ou après élection. Je dis, maître, c'est la sikoye totale, la sikoye akosoke akosonke. Maître Bandiko Seka. Il a pris son vin, il a dit, mais patriarche. Oyo, Ezali, une réponse qui va frapper sur les nerfs. Parce que Babinele, il y a Babel, Zibazakosakala, il croit qu'il a affaire à un petit Congolais, comme ils disent en Belgique. Maintenant, il a affaire à un professeur. Exit poll, Nairobi Wana. L'élection est ici, là, dans 5 minutes, la presse vous dit que le gagnant, c'est elle. Parce que la catégorie. Parce qu'elle est en train de se faire. Est-ce que n'a pas eu un journaliste? N'a pas eu un journaliste? N'a pas eu mon ami, je ne vais pas vous donner le nom. Le Belge, c'est un Belge très connu, dont le nom vous connaissez. Ça veut dire qu'ils étaient avec de lui, Michel. Vous n'avez pas eu proclamer comme ça. J'ai dit, mais chez toi, en Belgique, là, dans un monde, Amérique du Nord, en Europe. Et chez toi, quand les élections terminent, bon, Bakangi, bureau de vote, la presse, la télévision vous annonce que la tendance de vote montre que c'est elle qui est élue. Non, mais oui, normalement, ils allaient bon, mais professeur, pourquoi il y a Bissou Zako, Bissou Zako, Bissou Zako, il faut que l'andaye n'a pas été na case à tatanaye. N'a pas été na case à tatanaye. Donc, case à tatanaye.
ya ye wale atali droit atali ah oh, bouta ça comment on a été à côté 20h 21h na butu hein ne tu kinda na bango ndenge wana oh bango ba sala ile ko na bango bitu ko ti na bango te na bango na ile ko na bango te na kasi ko yo lukuta na bango esili bibi so zali na bato to zali bato to zali na mapoko midayi pa yulu ndenga vandi wana ebe ke chakuta zali banda chakuta akoko zwa telefone moyo abengi Washington azi moyo abengi pa azi moyo abengi na baskandina ba hein Fayou Bayebi, c'est que Félix connaît aussi avec sa maman que Tchakouja n'est pas n'importe qui. Moutazak a encore bien dit, ok, ah, Nandana, Hen, qu'est-ce que Nandana a vu Félix? Moi, j'ai travaillé avec son père. Moi, j'ai créé son père. J'ai créé son père contre l'argent de Mobutu. Mobutu m'a amené l'argent plusieurs fois par les Mbudu, les Pinga et tout ce monde. J'ai refusé. Il ne faut pas venir jouer avec moi aujourd'hui. Quand les amis ont été dans la Ndakombo, je veux le Congo. Je veux que pas na ya Congo pas jouir. Attends, Kofi, pour Kukundangai, mais du moins, vous avez un Congo qui n'a pas. C'est tout ça mon combat. Mon combat, c'est ça. Je veux voir un grand Congo au centre de l'Afrique. Mobutu, il avait ça dans sa tendance, il avait ça. Tatabo, et Kolobo, et il voyait un grand, mais il n'a pas su faire affaire dans la mine de l'époque construire le Congo. Mais professeur Julien Tchakoudia, le lot au moni balobi que na mars batwa beni butembo pe lembi bako sala pe élection. Est-ce que élection na ndenge salami bongo? Est-ce que pourquoi batye batu ya beni butembo ba voter pe na mars et ko porter bisoni na Congo soki le lot ba programmer Martin Fayulu comme président? Non, bande ko ya beni ils ont voté le même jour avec tout le monde. Est-ce que le résultat de la Bango et vous allez saisir dans CENI? Non, c'était un vote symbolique. Parce que, Tala, nous sommes allés qui sont candidat président, de grand. C'était Chadari, moi, je sais que je dis dans Fayoulou. Fayoulou, c'est quelqu'un qui a perturbé ma calcul dans la Bango, c'est l'intelligence de sécurité. Mm-hmm. Parce que Fayoulou est venu 3 semaines avant les élections. Mm-hmm. Fayoulou, 3 semaines avant, Fayoulou n'existait pas. Donc, quelque chose s'est passé à Genève qui a fait que ça perturbait tout. L'entrée de Fayoulou dans la danse, c'était maintenant il fallait recalculer. Comme Tom dit que let me recalculer maintenant. Quand tu es avec Tom, tu vas à droite, alors que Tom te montre à gauche, qu'est-ce qu'il te dit? Laisse-moi encore recalculer le chemin. Donc, 3 semaines avant les élections, Tom Nabango, Fayoulou à côté. Alors, vous avez vu comment ils ont fait à Fayoulou? Donc, ces gens étaient perturbés. Le Fayoulou a fait quoi? Première sortie à Kenabeni. Qui pouvait s'imaginer ça? Il pouvait bien aller à Kasai. Il pouvait bien aller au Bandundu, à l'Équateur. Mais c'était vraiment tactique. Parce qu'il y a une place au Yobabou Makabatoa. Et vous avez vu là, l'accueil. L'accueil, voilà. Après bien y accueillir un petit bout de temps. Là, c'est pas beaucoup. Vous avez vu l'accueil. C'est lui seul qui a fait ce côté-là. Ils ont compris que ce côté-là est perturbé par quelqu'un là-bas où il y a Est. Il va bloquer Yao, Fayoulou voulait faire tous les Congos. Pourquoi on l'a bloqué? Parce que moi, la sécurité, quand il s'est déplacé, vous avez vu, parce que lui, il travaillait pour être premier ministre. Lui, il est venu pour accompagner Chadari à la présidence. Assis à signer que. Mais si comment, on... professeur Tchakoudia? Parce que place on a battu Bélé, au Bazo Landabiso, on va comprendre, d'un côté, Toké, Tomonique, oui, Senko, et proclamé Martin Fayoulou, président Lelo, mais Batoua IDPS, Bango, Baza, pour contester, Balobi, que Bango, Batou, va gagner, mais n'a évité, professeur, Yoko, le Bani, dans les Cambouana. Je vais vous dire une chose. Je ne sais pas ce qu'il y a d'église catholique, madame. Très bien. S'il y a une église dans le monde ici, monde entier, pas seulement au Congo, qui est organisée jusqu'au village, qui fait fonction, il y a sécurité, il y a monde occidental. Parce que même le gouvernement américain n'est pas organisé comme ça.
c'est l'Église catholique. Quand vous êtes au Vatican, moi je vais au Vatican, je ne sais pas si vous connaissez ma chose. Au Vatican, c'est ma maison. Moi, je mange avec le pape en privé, avec le cardinal Mosengo comme témoin. Donc, l'Église catholique et il est en même temps Église et État, et que je respecte beaucoup. Moi, j'ai fait la théologie catholique à l'Université de Montréal. Mes professeurs, c'était des monseigneurs et des prêtres catholiques. Quand je vais prendre mon verre, je vais aller bien manger, je vais chez eux. Dans le monde entier, je me promène qu'avec des évêques et des autres partout dans le monde, pas seulement des catholiques, des Kinshasa. Mais moi, je suis anglican. Je suis de l'Église d'Angleterre. Et je vais vous dire une chose. Même les États-Unis, pour survivre dans ce monde, ils ont besoin de l'Église catholique. Pour bailler au village tel qu'il se passe quoi, c'est le diacre qui amène ça au prêtre, le prêtre l'amène à l'évêque amène à l'archevêque, ça tombe chez les cardinals et puis ça arrive au Vatican. Et le Vatican amène là où il veut amener, si c'est les affaires d'église ou les affaires d'État. Si l'Église catholique vous dit que nous avons été partout, nous avons vu, dis attention. Ok? Je pense que j'ai répondu. En tout cas, maintenant, Dominique, professeur, n'a compris donc. Oui, lobby, bah, prête net le bar à professeur. Donc, dans tous les villages, ils sont là. Du village, chez le chef coutumier, il y a un catholique là-bas qui a vu. Il va dire ça au prêtre. Et le prêtre dit à son évêque. L'évêque donne à son archevêque. L'archevêque amène le cardinal. Les cardinals, même pas. C'est déjà au Vatican, à la minute. Si c'est église, ok. Si c'est politique ou sécurité, bah, il y a parce que le Vatican en même temps, l'Église en même temps l'État. Et cet État, c'est l'État de l'Occident. Donc, René Tolobaka, Église catholique, ça comme Église d'État et la République démocratique du Congo. Non, il n'est pas l'Église d'État. Mais le nonce apostolique qui est à Kinshasa comme ambassadeur du pape, il joue double rôle. Il est en même temps religieux, en même temps représentant, ambassadeur d'un État du Vatican. C'est le Saint-Siège. Saint-Siège, c'est l'État du Vatican. Et l'État du Vatican a tout, ils ont le gouvernato qui est le gouvernement du Vatican. Vatican. Le pape, il a double personnalité. Il est chef de l'Église catholique, il est chef d'État. Et son État est lié à l'Occident. Alors, professeur Gilles Tchakou d'Adotoloba. Moi-même ici, je suis Vatican. Moi-même, je suis Vatican. Sur plusieurs angles. Donc, Toloba, professeur Gilles Tchakou d'Adotoloba, Maté Failou, Azali, qu'on méritait. En tant que président de la République démocratique du Congo. Donc, ça veut dire que Bino Boulengi, mon toisant a diplômé, a créé un diplôme, il y a faux, parce qu'il a dit, moi, il y a, et puis Boulengi, que le Congo, il y a un Rwanda, il y a un Uganda, il y a un Congo de Boulengi. Vous avez un fils du Congo et le monde entier commence à dire ouais, celui qui a gagné. On veut vous retourner votre pouvoir et vous voulez aller où? Chez le fils de Tshisekedi pour aller dans l'aventure? Il y a solo Matondo. Aventurier né. Même son père qui est mort là, s'il se réveille, il trouve que vous êtes des réfugiés. Mais il va se fâcher sérieusement parce qu'il n'a jamais tué son fils. Mais papa, professeur Gilles Tchakoudia, il y a solo Makambozo, mais qui était Kamere? Pourquoi Félix a quand même une Kamere? C'est craint ni les Akiwana. Vous avez compris que l'aventurier est capable d'aller n'importe où pour faire son aventure. Et quand ils sont partis à Nairobi, dans les sièges de Douci, il y a un hôtel. Regarde tout ça à Kenya. Est-ce que mon hôtel est à Kenya? Moi, la Tshisekedi, c'est un aventurier. Moi, je ne peux pas soutenir un aventurier. Ok? Moi, je veux que le Congo revienne dans les mains
de l'enfant du Congo. Azala mon Congo, Azala Mouluba, Azala Mouta Équateur, mais Azala Mouta Sol. Mais si c'était un aventurier, pour te retrouver des ressources dans Boumou Yaba Tousi, dans Boutoum de Boumou Yaba Ougandais, je ne suis pas prêt. Je n'accepterai jamais ça. Je me battrai jusqu'à la fin de ma vie sur cette terre. Alors pourquoi base il y a UDP, si je comprends, il faut sauver les nations. Moi j'ai terminé mon doctorat, puis je suis à l'Université de Montréal à 27 ans. Moi, là, je sais qu'il avait quoi? Il a quoi? C'est un aventurier. Il n'a qu'un aventurier. Non. Montrez-moi quelqu'un qui pèse, comme ça, nous allons jaloux. Nous allons la haine. Moi, je ne me bats pour le Congo. Je ne connais pas les affaires des tribalistes. Vous allez vous dire, combien de fois j'ai bloqué aussi mon Facebook? Moi, je me bats pour que le Congo devienne un pays, qui devienne important. Que le Congo va vivre. Est-ce que moi je suis content de ça? Oui, même dans Mbujimayi, Batoubaza, qu'on vit sous Malamouté, tout à la même pont, et même Moutazo, ça, la campagne, donc Batoubaza, partout dans la République démocratique du Congo, les pays est vraiment foutu. Il doit, peut-être qu'il ne connaît pas beaucoup de choses. Je vous ai dit que c'est ma famille qui a créé Tshisekedi. Moi, je suis prince de Bakwanga. La ville que vous avez citée, Mbujimayi, ça s'appelle Bakwanga. Ce qui a vu un ailleurs écrit dans Mbujimayi, c'est dans mon village. Ils sont des battus en colère. C'est mon oncle qui a fait un coup de tissage. Il est en colère. L'air a fait la relégation. Et pas il y a la caméra comme moi. Il est de mon bout. C'est frère de caméra comme moi, il n'avait rien. Tissage n'avait pas d'argent. C'est nous qui nourrissons Tissage. C'est nous qui l'avons présenté au Kassai. C'est qu'il n'était pas connu au Kassai. Maintenant, je vais jalouser son fils. Est-ce que son fils m'a déjà dit merci pour tout ce que nous avons donné? Sa femme m'a déjà dit merci. Moi, je suis prince chez moi. Moi, je ne fais pas de campagne en Mbujimayi. Quand je descends en Mbujimayi, je suis dans mon village. Je ne fais pas campagne là-bas. Mais tout ce qu'on leur a donné, comment ils te payent ça, Bango? Mais le Kunga, la salle de Bango, le monde entier, parce qu'il va payer ça, merci. Les ingrats, il y a un dingue, il y a un Bango. Il un garçon qui n'a pas étudié, il représente quoi? Il n'a rien. C'est la faillure à cause du pouvoir. En fin de temps, on va officialiser ça. Parce que Kabila ne peut pas jouer. Les Américains sont déjà là. Tout le monde lui a dit, si c'est faillure qui a gagné, il faut lui donner le pouvoir. S'il s'amuse, on va l'arrêter et ils vont aller avec. Et faillure va être installé là-bas. Donc, comme il y a un niveau où on a ce qu'on dit, s'il s'amuse, vous verrez ce qui va arriver au Congo. Nous, on ne dort pas. Nous utilisons toutes nos relations pour sécuriser Fayoulou, pour sécuriser les votes des Congolais. On n'est plus en 2011, on n'est plus en 2006. Les Américains ont déjà dit plus besoin de Joseph Kabila. Mais maintenant, comment Joseph Kabila qui avait la barbe comme ça, qui s'endettait, pourquoi il a en dernier minute abîmé M. Chadal? Pourquoi il ne s'est pas entêté comme Kagame et Museveni? Qui lui ont dit que non, il faut s'entêter, il faut être quelqu'un comme président. Hein. Pourquoi André Mikabini Sichanda? Parce que, et pression est le quatrième, Makasi. Sikoyo, Sichanda, c'est qui? Un criminel? Bah, et Dakassa, il connaît quand on tue des gens, des camoufles, ça peut qu'on tue la population. Mais qui faisait ça? C'est pas Sichanda. Qui a tué Baduyo et a. Les deux jeunes gens, il y a 30 ans, il y a Nations Unies, il y a Expert One. Qui a coupé les têtes? Ce n'est pas Chadal. Vous croyez que les Blancs vont les laisser comme ça? Tu peux tuer 100 000 Noirs, mais dès que tu touches deux petits Blancs, ça c'est que Bakolanda, il y a qui dans le Gourou Nayo? Maton Noming, il y a solo professeur, mais la moi, il y a Tamouké. Bande copé, balandé, nous sommes habitués que Bozali est belé, tellement est belé. Merci Mingi, Trezo Nzinga. Merci Mingi, Deborah Dioko. En tout cas, Tobo Sanité, vraiment, Bande Konabiso, Gorete Louvoezo, Boza et Bele, bonne année. Neto Yibsa Gibino, Toko Yamba Bongo, Lelo, professeur Julien Tchakoudia, Nabanza Mounisibiso Makambu, et Bele, Yamine Nepo Nambo Kanabiso. Merci Ming Alexis Champagne, Yasolo Bande Konangai, Clara Kadima, Yasolo Bande Ko Makambo Akongo, Bomoni, professeur Tchakoudia,
alobi ke ya solo Mate Fayulu azali ko mérité koza la président ya République démocratique du Congo et surtout pour na changement ya mboka na biso mboka ya Congo pambate tomoni passe mingi ya solo bande kozali passe alobi ke ya solo Félix oyo azali bongo président ya UDPS azali ko mérité penza ebonga ya kozala bokonzi ya Congo te pamba te azali na makokito makambo oyo ezali ko senga akoma président te ya solo bandeko na ngai ezali pasi mboka na biso mboka ya Congo boyebie ke bato nyonso bazali koloba yango ezala communauté internationale balobie ke ya solo Martin Fayulu a gagné ba élection. Professeur Gilles Tchakoudia, tozali kokende malembe na suka ya masolo na biso, kasi ya solo professeur lelo yo tokoki kozela nini, est-ce que c'est ni ako proclamé ba résultat ndenga lobi ke a reporté ango le susu et kozala susu lobité toyebité et kozala nini parce que tolandi ba américain ba lobi ba sala sécurité ya Corneille Nanga. Alors pourquoi professeur Gilles Tchakoudia, pourquoi Badlingi basa la sécurité ya président ya Seni Nanga et loko ni ezali ko leka wana Badlingi ba bomaye na bato ya pe perdre tout ezali nini? Bon, en 2011-2006, est-ce que vous monaki ba presse étrangère ba lobi ke même a gagné ou qui sait que dia gagné? Joseph Kabila a gagné. Il y a déjà 5 presses des États-Unis, grosses presses des États-Unis, la Washington Post, lobby c'était maintenant New York Times. Hein? Tout le monde parle de Martin Fayulu. Vous avez vu l'ancien special envoy, envoyé spécial de Barack Obama dans le Grand Lac. Après mon ami là, Ross Feingold, c'était Perleo. Et le gars a dit, il faut que vous vous parce que vous avez à Martin Fayulu. Ça ne vous dit rien, vous? Même Cohen, mon ami Cohen a dit, il faut que le Congo ait un président comme Martin Fayulu. Ça, du côté américain. Maintenant, vous m'avez dit que Trump a tenu les militaires qui ont été sécurisés partout, qui ont été sécurisés partout. Là, vous me dites que non, mais ils ne sont pas sécurisés même en Anga. Et en même temps, Reuters, vous avez vu en France, a fait lobby Martin Fayulu. Africa.com, Martin Fayulu. Lelo, RTBF, Martin Fayulu. Al Jazeera, Martin Fayulu. Ça ne vous dit rien, vous autres? On va toujours continuer à philosopher? Martin Fayulu est déjà notre 5e président de la République. Et je suis content que Nalakisaki Moussapi, Moussapi Wana Ebouti Mouma. Je suis très content. Dieu m'avait fait voir frère. Zone de Konayoyo, Memayena Bukunzi. Alors, professeur Gilles Tchakoudia. Tolandi na bokebi o monisibi so lobe ki a solo o monisaki président Martin Fayulu ke il faut asa la a assurer ba combattant na ba résistant oyo bazali ko bunda bitumba a na diaspora. Alors lelo tolingi professeur Gilles Tchakoudia meka ko monisa biso lelo Martin Fayulu soki lelo a komi déjà président parce que il est déjà élu, Lelo Martin Fayulu, président de la République démocratique du Congo. Alors, tout le monde a place, il y a un résistant combattant, et que ça a un combat, et que ça a continué, tout, et que ça a un combat, parce que... C'est une très bonne question, de Konakai. Très, très bonne question. C'est un homme très intelligent. Pouvoir, il y a Martin Fayulu, j'ai écrit déjà sur mon Facebook cet après-midi, à Rouge. Pouvoir ya Martin Fayulu et Komema bande konyoso na Congo. Au Congo, ils allaient à 2,345,000 km. Projet na biso à Liboso, plus jamais ça. Retenez ça. Plus jamais ça. Dans ma plaque d'immatriculation, na biso et Kozala. Plus jamais ça. Comme au Québec, au Canada, on écrit
Québec, je me souviens. Puis ça, il y a plus jamais ça. Oui, tout le monde, beaucoup de monde, voyez, Rwanda, il y a une télévision à Moutou, plus de 20 ans, plus jamais ça. Pour ma bateau, ma vie, plus de 30 millions de bateaux, plus jamais ça. Qu'on violait Bassina Bisso, Gabriel de Mugwe, puis Nobel de Mugwe, plus jamais ça. Qu'on Bassina Bisso n'a pas quatre ensemble, plus de 5 millions de bateaux, parce qu'on irait dans l'ensemble, plus jamais ça. Bassina Bisso, on a commis, oh, Bakenda Nanzela, Bassina Bassi, Bakenda Kosala Kindumba, Bobali, Akabali et sa famille, n'a pas plus jamais ça. Nous avons des ressources pour que moi, on soit dans la classe. On est sur Tanga, on est sur Sala, on est sur à participer à le Congo pays et à jouir ma ressource à Congo. C'est pourquoi nous disons plus jamais ça. Martin Fayou, le président, on est le Maba congolais, il faut ici là. Oui, nous vous avons vendu les bandes parce que est-ce que tous les sous Europe, Europe existe encore. Vous avez des gilets jaunes là-bas en France qui marchent chaque jour. Ça vous montre que l'économie ne marche plus. Et quand l'économie ne marche plus, le racisme monte. Qu'est-ce que vous devenez là-bas? Nabana Nabino, Nabino Moko. Nabino Moko, Bakoko, Bakotala, tout ça, ils n'ont pas de moussala. Parce que ça m'a montré. La même chose en Angleterre, la même chose partout. L'Europe est finie. Ce n'est pas l'Europe que nous, on a connue il y a 30 ans, 40 ans. Non, c'est fini cette affaire-là. Il faut créer les conditions de zone et pas la vie. C'est pourquoi j'ai dit ceci aux Congolais. Nanga na Bakabila. Parce que la tractation, c'est pourquoi au moins les Américains vont dire que tout ça qu'on sécurise au Rwanda, la vérité des yeux. Au Bénin, ça faillit le président. Mais ceux qui vont venir ici, Sadar, Sadar qui a fait 0-0-0, ou bien Valobi, non, tous doivent Félix, oh, ils ont pourtant troublé les Congolais. Il faut que Bénignon se botte les mains. C'est faillit le ou rien. S'il faut brûler le pays, on brûlera le pays. Et couvre, et bébé, et bébé. Parce que nous n'allons pas être condamnés tout le temps à faire des marches en Europe. Nous n'allons pas être condamnés à vivre chez autrui. Commandant Bamboka Batu. Bamboka Batu, il sait Koufa. Au Koufa de Wabi. Pas dans la bine, Koufa de Bakozalabanani. Pas dans la bine, Bakozalabanani. C'est maintenant l'occasion que Dieu nous a donnée. C'est cet homme-là de Martin Fayoul. Moi, j'avais une ambition d'être président du Congo. J'ai dit non, et tu Martin Fayoul. Mais ma une ambition, elle dit Martin Fayoul. Quand tu me dis que mission, Martin Fayoul, si quoi bino, pas combattant, pas résistant, il n'est plus question de me dire, oh, soulèvement populaire, soulèvement populaire, on prépare maintenant. Il faut que le ministre Bambongo, maintenant. Il faut qu'on prépare Batokuna, maintenant. Que ceux qui m'ont bimé, si quelqu'un est en Bango, dans le Bango, alors, et bien. Parce qu'il joue avec la vie de tout le monde. La vie à Bango, il va s'en accueillir. La vie n'a pas eu où il va s'aider les bandes. Puis surtout, il n'y a pas de bandes déjà. Il n'y a pas de bandes. Mais il faut que ma coquille soit là. Il ne faut pas me dire au sol de bandes populaires. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas Dieu qui vient faire le soulement populaire. Où il va s'en aider les bandes. Il va s'en aider les bandes. Puis surtout, après, il y a beaucoup de bandes. Il y a déjà battu à beaucoup de bandes. Si le programme pas notre faillite ici, on a beaucoup de bandes. Mais il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Mais pour lui dire ceci, si jamais, comme il a bon sens, Martin Fayoul, le président, il y a des gens qui ont sécurisé Martin Fayoul. Il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des soucis. Pour moi, na Facebook, na ngai na komi. Vous avez moi la Congo de souche, tout ça, donc la Nigeria. Congolais, ils ont ça, ta passeport 5. Tu y es du côté congolais, songa na mboka na yo, vous avez droit, ils ont ça na Congo. Il y a comme ça la politique, il y a comme ça la politique, il y a comme ça le droit na yo civique, comme ça l'homme d'affaires, benda baninga na yo, la mindele, pas tout le monde, ou y a pas qu'il est rosa qui libanda, il y a kato tonga mboka. Congo est ouvert pour les Congolais, les patriotes, les combattants, les résistants, les Tonga, Mboka. Ça, c'est un. Deuxièmement, tout le monde a posé la question. Si on aurait un Rwanda, on aurait un ennemi, Oui, pour y avoir un Rwanda qui est résistant, parce que résistant, c'est tout le monde qui parlera toujours à Papa Honoré Rwanda. Ce que vous souhaitez, c'est que vous avez un Rwanda qui est 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 un R
Katumbi azali na mwasi ya rwandaise bato yedo ba resultat na yebi ke mingi ba koloba yango ndi boye mema azali mwana ya Congo azalaki wo Museveni Museveni jete ya Mbemba zongela kante na Patrick Osano Mutwa Katumbi azaki na mwasi ya ba Katumbi sana madafe azaki na mwasi ya ya banza la Zambia non Katumbi aza kota la place mai aza kokende azi mwasi ya pour ba résultat ba loba kazali Zambie Lobi ba résistant awa na diaspora bango ba telemaka et surtout bango ba telemaka loba ke Katumbi azali Zambie akoki le problème za konate Katumbi azali mwana abotama na sol du Congo aza la Zambie aza la nani akotala jamais président na sina ABC plusieurs fois biso le tokozo pouvoir nous avons besoin de construire ba homme d'affaires non le homme d'affaires est-ce qu'aza kota toujours congolais Congo est dans le les États-Unis Katumbi akota toujours place na ye na Congo wana akota na affaires Katumbi ye moko ayebisa ngai awa na hotel de Chester madiki vie soki ozo bokozi ngana koye ko koyede ya kota kote ya ba affaires Katumbi c'est l'homme d'affaires un homme d'affaires aza kabuyibi même si en Europe ba homme d'affaires nyo soko zakaba miyibi ou quelqu'un ne peut pas devenir oh je suis millionnaire en Europe ici à quel niveau mon salaire à zone à quel niveau mon salaire est comme millionnaire il y a autant de photos ou si au moins mon toit que dans 5h du matin à quel niveau ça va millionnaire jamais donc par homme d'affaires ni on soit basé à Miyibi oui tout le monde a même bas société minière bas Miyibi oh baso qu'on exploite bas colta moi je dis ça ouvertement parce que je suis pasteur il y a bas Miyibi moi je suis pasteur anglican nan on a mon amour de la quel niveau ça la 5h à zone, la 17h ou 18h, accueilli à comme millionnaire. Jamais. Bah, millionnaire. Ok. Quand on dit, aïe, ma kakwa, aïe, bipé à comme homme d'affaires. Ah, quoi, y'en a Congo. Ah, quoi, ça, comme ça, y'en a comme homme d'affaires. Ah, quoi, tu es un Congolais, ou tout, sous des lignes, bah, ça, là, comme un bon. Les Nigériens le font. Pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Mais pour la bombe, comme un président, quand on doit, je lui ai dit, pas question. Mbemba, c'est un enfant du Congo. Demain, il peut dire non, demain, ok, d'accord. Mbemba, en même temps, il est homme d'affaires. Bon, comme on a Congo, ça ne va pas faire, Naïe. Mais s'il veut devenir président de la République, il a le choix, après 5 ans de Fayoulou, on va ouvrir encore les histoires. Moi-même, je serai candidat. Après 5 ans de Fayoulou, moi-même, je serai candidat. Mais pour le moment, tous les hommes, on a tout construit, tout supporté, on a vu sur Fayoulou, à ce moment-là, on a construit. Ce qui va nous abourir, tout brûler, tout court. Fayoulou ne le dit pas, mais moi je vous dis, si on ne brille pas, nous allons mourir en exil avec vous. Non, mais l'élection, l'accès, déjà, même peuple congolais, puisque nous sommes tous les bandes, tout le monde qui est congolais, nous sommes votés, parce que Maté Fayoulou partout, il y a quelque chose. Il faut rassurer nos frères, parce que nous sommes pas patriotes, parce que nous sommes les bandes, on va tout faire pour que les Congolais nous soient zonga, acte de construire le Congo. On va donner, et puis les combattants se sont battus. Il faut que tu récupères dans le service à la DGM, dans le service à l'immigration, le service à la sécurité, l'intelligence, tout ça. Le Congo est grand. C'est l'espace de l'Europe. Tout le monde aura du boulot. Mais il faut que tu aies un gouvernement, il y a un Congolais. Et puis, troisième chose, peut-être la plus importante, on aurait une grande tokosa na ennemi. C'est ça que la question que j'ai eue cet après-midi. Je vous dis, on aurait une grande, c'est un fils du Congo. On aurait une grande depuis 20 ans. Il ne sait pas. Depuis Alien à exil, il a toujours dit que le Congo est occupé, le Congo est occupé, le Congo est bon. À cause de mon salaire, mon Congo est mon néné. Pour y avoir des épisodes de néné, Togo dit papa Trouana. Je pense que j'ai tout dit. Est-ce que papa Gilles Tchakoudia bato mandeko bazo landayo bako sepela ke papa Honoré Nguanda ko sepela ke lobi le bazo ngata mutuye pa vizaka akoma président ya République démocratique du Congo est-ce qu'a ko sepela ke ak no travailler na Maté Fayoulou? Eh moi si j'accepte lui il est plus important que moi ngana bondisa mon buto ngana ebe Honoré Nguanda te Honoré Nguanda c'est une création de mon buto moi j'ai combattu mon buto si moi j'accepte de travailler avec Martin Fayoulou, Nguanda Lekinganane. Lui ne peut pas travailler pour Martin Fayoulou. Il est qui, lui? Il est Mobutu. Hein? Et moi, j'ai dit que s'il veut venir, il viendra derrière Martin Fayoulou. S'il ne veut pas venir, il restera en exil. C'est clair que ça. Moi, j'ai combattu Mobutu. Quand Mobutu voulait parler avec moi, il m'a envoyé Goga.
il était patron de Ngwanda, en Afrique du Sud, à Pretoria. Donc, si Ngwanda comprend le message, il est le bienvenu. S'il veut vous faire voir à vous qu'il est plus important que Dieu, il y a un peu de temps. Il y a un peu Martin Fayulu va être président du Congo. C'est lui le président. S'il veut venir au Congo, il faut que dans 5 ans, à peine dans l'élection, et à cause de la présidente d'Engenin ici, il fait vivre dehors. Moi, je vous dis que j'ai eu cette question cet après-midi. J'ai déjà répondu que Ngwanda, il est citoyen du Congo. Moi, il est à Congo. C'est mon bout qui a créé Ngwanda. Il est déjà parti. Vous rêvez en couleur. Ngwanda était là. Il est arrivé pour Mobutu. Devant Ngwanda, il y avait Goga. Quand Mobutu a voulu me parler en Afrique du Sud, il m'a envoyé Goga. Il ne m'a pas envoyé Ngwanda. Il m'a envoyé Goga. Goga est déjà mort. Il était enterré à 4 mètres de Mobutu au Maroc. 4 mètres de la tombe de Mobutu. Donc, moi, chez moi, il ne faut pas venir m'impressionner avec votre Ngwanda. J'ai dit que Ngwanda, il n'est pas plus que Djabouti. Moi, j'ai traité avec le président Mobutu, avec le vieux Nguru. Il comprend. S'il m'écoute, il comprend de quoi je parle. Il ne faut pas aller à Kosaganaba, les Mekia, avec ce binôme, n'importe quoi. Non. Oui, tout ça, il y a mon conseil, c'est cet homme-là. Ce qui a l'ingé, Koya, à Koya Nabis. Ce qui a l'ingé, à Koufela Nadianaïti. Matondo, mingi ya solo, bande coupé, balandinio soto, komi, penza na suka, ya masolo na biso, bande ko na biso, lelo, tozamba kibongo, professeur, Julien Tchakudia, ya solo, amonisi biso, makambo, ebele, boyebi kaka ya solo, lelo, na mboka ya Congo, Seneco, et publié, ba résultat, Martin Fayulu Eli, président de la République démocratique du Congo, chaîne internationale nyonso tout et la kisi yango pe lobby yango en tout cas et loka bombe zalite tozali ka kozela tseni donc e konne nanga azali kosenga vraiment ba sécuriser ye tout outil pe komona ba américain ba lobby Monisco ezo a charge ya konne nanga donc tout kozela yango en tout cas vraiment en tout cas bandeko ezali pasi mingi Papa na biso jile Tchakudia to komi na suka bandeko. Merci beaucoup. To titelio mwa maloba ata mwa quelques minutes liloba suka nini oyo okoki kotindela peuple congolais obaza kolanda yo en direct ya avis du public. Liloba nini ya suka professeur jile Tchakudia diaspora za kolanda yo pe na kati ya République démocratique du Congo pe bazali kolanda yo. Okoki koloba nini na peuple congolais. Mon frère Na sepeli mingi lokola opesinga occasion na solo na bande ko na biso je pense que j'ai tout dit à mes frères ngai nazali mwana ya Congo j'aime pas pour le Congo pour la grandeur du Congo ça fait plus de 40 ans na dako sala musala o na zaki monte a Mobutu na yoko munda na Mobutu et Mobutu avait toujours dit na lumula ka mwana wana aboye mbongo na ngai aboye pouvoir na ngai Mobutu disait tout le temps Et mon ami Ngulu me l'a reconfirmé encore. Le vieux Ngulu a dit Mon ami Tchakalou, mon ami, il est déjà mort, mais ça n'a pas de maillot. Ça n'a pas de petit frère maillot. Je suis ouvert à tous les Congolais. Ngwanda a eu ma relation avec Mobutu. Il connaît ma relation avec Mpinga. Il connaît ma relation avec Ngulu. Il connaît ma relation avec Inonga le Congolo, mais Mbutichi, Fambe Ulanga et les autres. Donc, je ne suis pas un enfant né comme ça de la pluie. Si je dis Ngwanda est notre frère, il faut asbando ko préparer valise naye tokende tout s'il sa problème ya occupation ba tout parce que ba tona ba ko tikale biso 450 généraux autant de officiers supérieurs donc ça la ndengi ne peut te récupérer mboka mais ceux qui osa ko sala ka kota la ka boko zi il y a pas deux chefs d'état qui vont s'asseoir sur la chaise du chef de l'état moi j'ai aussi cette ambition là de devenir président du Congo j'ai dit non tout ce qu'on a nos farioulo à salam sadawa makamba ki tribalisme biso tana una mutute problème na biso ezali Congo un grand Congo aza ko senga yango na bana ya Congo nyoso so ki koza ko edike bana na bino ke ngana za mota equateur ngana za di mutuba e ngana za di comme ça oh baduba e ngai nde na dik sino nde nja kola ta saba oh de e koza ba zoba ndelele na yaki na mboka na biso tuzaki na pasapa yonde moto la ki se ba tulo kola de nja kola ta pasapa parce que za mulo Oteka makamu nyoso wana. Tulingi tozo mboka na biso d'abord na maboko. Soki tozo mboka na biso,
Est-ce que tout le monde va faire seulement la politique? Moi, je vais faire mes affaires. Moi, j'ai 1000 hectares de terre dans la ville de Mujmai. Moi, je vais aller faire mes affaires d'agriculture. Mais je vais arriver chez moi. Est-ce que tout le monde va seulement devenir politicien? Les gens pensent politique. Les gens pensent. Surtout, le président Maté Fayulu et le Gaza côté de Ménapé, en Gouana, agriculture. Oui, mais dans le Big Boy, moi, j'ai 1000 hectares de terre dans la ville de Mujmai. Moi, je peux devenir multimillionnaire en peu de temps avec ma terre. Donc, je n'ai pas besoin d'être ministre. Un ministre le paye combien? Donc, ma Congolais, il faut pas y aller que Congo et Zamoussala. Pourquoi vous avez un mécanicien? Parce qu'il y a autant de voitures, il n'y a pas de bons mécaniciens. Pourquoi vous avez un électricien? Mais ça, les Koya, ou Zamoussala. Ou les lois, ils ont comme un camion, pasteur et politicien. Non, il y aura le travail parce qu'il faut construire le Congo. On aura besoin des gens qui connaissent les bâtiments, pas qu'ils doivent construire. Oui, il y a des autoroutes, des ingénieurs. Oui, il y a des
Et donc, tout cela dans le Vatican, il y a encore. Le temps est venu. Et ça, c'est Tchakoudia. Et ça, c'est Fayoulou. Fayoulou, c'est Tchakoudia. Fayoulou, c'est le Congo. C'est quoi, Bissonnion, ça, ton téléma. Ce qui va annoncer mon sousou, Bissonnion, c'est ton télémétologie. Non. Monde entier. Parce que même les Américains disent que ce que les Congolais vont décider, c'est ce que nous allons faire. Ce qui va programmer Tshisekedi, ou on a Tshisekedi, ou bien Sadari, Bissonnion, son Tikali Totali, on dit, ah, ce qui va régimer. Il faut que Congo et Zala, incontrôlable à l'intérieur et à l'extérieur, par manifestation, Mokili Mobimba, aux mêmes heures, partout dans le monde, en même temps, où il va dans le Congo, où il va couper dans Nzete, où il va couper dans Munduki, où il va couper dans Nini, où on va dire, moi, je vais boire, à ce moment-là, je vais vous dire, et puis, pour vous en matière, il va vendre ici, parce que Joseph Kabila, parce qu'il n'y a quelque part, parce qu'il y a un boulot, ou bien quelque part, on va dire, il y a. Et si nous restons comme ça, on dit, ah, parce que Nanga a proclamé. Non! Les résultats de ce que j'ai dit, Yango. Mais si nous sommes comme ça, pour que, pour le gâteau, oh, ils ont parlé avant Séni. Moi, j'ai déjà parlé, Fayoulou ne peut pas parler. Mais Fayoulou a essayé de faire résultat. Les catholiques vont essayer de faire résultat. Les Nations Unies vont essayer de faire résultat. Les Américains, les Français, les Belges, tout le monde connaît déjà des résultats. C'est quoi, il faut que Nanga se prononce. Je suis content, on l'oblige. Parce que quand il est là, va tout sécuriser. Parce que Badin va vous mailler dans ma bamboine. Parce que tu as prononcé, mon tour, ce va vous mieux. Il faut pas sécuriser. Alors, il va falloir le président, te mettre ma boko, puis son boko te protéger après. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse Martin Fayoulou, et que Dieu bénisse Jean-Pierre Mbemba, Moïse Katumbi, Syndicat de Colo, et tous nos frères, Honoré Ngwanda, tous nos frères. Tous nos frères combattants, résistants, patriotes, Zambé, Abatera, Bino, Kosseri, Moussala, Kitoko, Kosseri, Moussala, Mounene, Sikoyo, Badejem, Aner, tout ça, Oyeba, Moussou, Oyeba, Lobby, Kentozan, Badiplom, Tetoko, Tangi, Sabango, Kuna, Misanawana, Bakozoa, in job training, Toyebi, Bino, Nyons, Oyeba, Zakonde, Ramboka, Toyebi, Bino, Otanga, Otanga, Toyebi, Nabas, Nabamibadi, Toyebi, Bino, Nyons, Daina, Vandaka, Dibanda, Nayebi, Bino, Nyons, service n'a pas été bien nous. Donc, on peut être bien nous au Congo pour qu'on puisse jouer dans le Boko Nabino, pour qu'on puisse sécuriser le Boko Oye, vous savez, au bout de la jour et nuit, même dans les neiges, tout, tout, tout. Donc, le Boko Wana, c'est le Boko Nabino. Le Congo d'abord, la patrie ou la mort, le Congo au Congolais, avec Dieu, nous vaincrons. Matondo. Matondo. Matondo, Mia Solo, Bande Coupé, Balandino, Soto, Komina Souka, vraiment Zambé. Apambo Layope, professeur Gilles Tshakoudia, Nandengo Aseptaki, invitation à Bissot, Tosalaki Nosoko Lukayo, Penzati Tozuyo, merci Mingi, professeur Nzamba Pambolona Libota, Mbameyer V, vraiment professeur, Ondimi, Omonisi Bissot Marambo Ebele, Oye Sengelaki, Bissot Bana Kongoto Fongolape, Bissot Nabissot Nandenge, Mboka na biso zali ko kende pe omonisi biso ke ya solo papa Ngwanda azali mwana Congo akoki pe kozonga na Congo ba combattant résistant papa Gilles Tshakoudia alobi ke da solo bosali mosala ya kitoko se l'état yango bandeko balandi nyonso na bandi mboka na biso mboka ya Congo tala ndenge tokufi bandeko coltan oyo lelo ebimaka na Congo partout na monde bazali kolobela yango partout moto nyonso azali na portable ya solo to profiter atteint la coltante. Et l'obi Isdor Mbambi a l'obi qui a solo coltant, bisoto profite kaka na makila, batoko koufa, kasumuta profite na coltant na koya Congo, et zali bongo Paul Kagame. Ya solo Paul Kagame, lelo tala de l'enga zali ko bongsa Rwanda. Nyo so zali koya, bo bele po na coltant ya Congo. Bande ko professeur Tshakoudia a mounisi biso ke wouta Léopoldé, biso ba Congolais, to koufa kaka. Ba kaoutchou ou esali lelo, ba pinet, ou zali komona ou ba pinet, ki toko a goudir, biso de tambo la mi, tou kozo mona pinet ou esali makasi, ya solo bandeko, pinet nyo so monaka, ezala ya avion, ezala ba helikopter, ezala mi touka, e wouta ka mingi, na République démocratique du Congo, na Équateur. Me bandeko, ta la bandeko Équateur ne ba monaka pasi, kasi kaoutchou nyo so, ezali koya nango awa, biso n'équateur bazali ko profiter te papa la biso professeur Gilles Tshakoudia alobi 12 millions oyo
Léopoldé a katama boko abato bandeko soko ke leo na verse totala yango to mona meme bakoma kosala chocolat na liboko chocolat wana ezali le plus cher chocolat o ezali bongo na kati ya verse ezali bongo symbole to signe ya misna ya maboko o bazali kokata na République démocratique du Congo ezali mboka na yo mboka na ngai bandeko to kufi mingi to eko mona ti suka nango lelo coltan to kufi lelo yo bandeko ba mituka to bengi ba voiture électrique elinge bandako salama eko salama na nini bandeko zali bongo na cobalt na cuivre kasi bato bazali ko regorger ressources ya cuivre et surtout ya cobalt zali bongo République démocratique du Congo kende na kolozi bandeko okukuta tala bato ne bazali komona pasi kasi ya solo cobalt nyoso ezali koya na Suisse partout ba société ya minene ezali kozwa yango lelo yo bandeko soki to raté chance oyo bandeko biso to ali bapandisa ngo to kotaka pe ko se documenter na makambo ebele soki Congo to raté chance ya maté failu bandeko ezala oyo tozali awa bandeko to eba yango en tout cas cobalt na cuivre oyo bandeko ba exploiter ba mituka oyo électrique et kozala pasi mais soki président ya congolais avant d'une bonga ya Congo biso ba congolais toko profiter pambate congolais mutakomi na mboka ya Congo toko profiter na richesse na biso ndenge tango mobutu ya laki kasi ya solo bandeko so to kutane susu ke ba loba ke shadar aleki to mutu muso aleki bandeko ekozala pasi pambate toko continuer kaka na colonisation et puis bakokamata bato bako exploiter cobalt to cuivre oyo ko kende ta mususu soki ba Rwanda bako continuer te tango mususu mboka mususu po Hippolyte Kanambe azali kaka kobenda ba étranger bozali komona bino moko tala olieke abenda ba soldat Congo oyo bako ko battre les colons ya azali kobenga kaka ba soldat ba étranger po ba kobunda ba bunda na nani na yo peuple congolais bandeko professeur Tchakoudi ya mususu makambo ebele alobi ete Mate failu yende nzambe apesi mapamboli pona mboka ya Congo nzambe apesi ye bokonzi pote ya solo ye akoka kotambusa mboka ya Congo bango bazali bato na mayele bavandi mingi na mboka tala 40 ans bandeko biso to bandi koloba na ba etando oyo banda mbula nini depuis 2000 ans to bandi koloba tilelo tozali ka koloba tozali kovanda ba marche salami mingi makambo ebele bandeko tango infoni tango ekoki ya solo professeur Tchakoudia alobi na biso ye azali kotelema likambo etali tribalisme totika yango ezali malamu te pamba te mukongo muluba muswahili to ekolo to mungala tozali bobele bana ya mboka moko ya solo ke yo kende kosoutena koloba ke ngai nazali kosoutenir ye po azali muluba ya solo bandeko ezali malamu te donc bandeko na biso ezala Félix azali congolais kasi ya solo ndenge bayimbi na banzembo na balanga nzembo zonga nde moto ya solo pote likambo ya nation en tout cas congolais alingi lisusu te amona lisusu pasi ase amoni pasi mingi ase alembi na pasi alingi bobele changement nzamba pambola bino baebanso bolandaki biso bozali tellement ebele nzamba pambola bino emission na biso ezali rediviser bongo na avis du public ya Didé Masuki mobali ya mandefo pembe esika zali mbote esika zali na molonga ni na ye super Anita Masuki nzambe apambola bino ezaki ya bino ndeko kongwa lenga ya solo tokutani bongo mbala sima bokomela biso bandeko nyonso tu bokomela biso même na avis du public même na Facebook ya kongwa lenga ya solo tokoyamba bino pamba te émission na biso bokoka bayindo to yambaka batu nyoso oyo bazali koya kolobela mboka na biso mboka ya Congo ezaki ya bino ndeko kongwa lenga matondo mingi nzamba pambola bino tokutane bongo mbala sima ya solo tokosilisa bongo na loyembo oyo pote ya solo bandeko mingi bazali kolanda biso pote ya solo bayebaki ya solo biso tozali bana ya Congo tozali kaka kobundela ekolo pote ezali ekolo ezali mboka na biso mboka ya Congo Nzambe apambola bino botika la bongo malamu matondo mingi.
Zambe apambola bino to komi bongo mokolo ya lobi tokoyeba lolenge nini makambo nini ekoleka na biso Zambe apambola bino baeba sobranda ki biso en direct ya avis du public ya bino de kokongo alenga Botika la malamu Mate Failu Eli président de la République démocratique du Congo Senko et outil pour publier par résultat tous les causes-là par résultat à CENI mais qu'à ce solo bandeko communauté internationale bangoni surtout banobi et à solo il faut vérité des urnes donc ceux qui nous aiment à s'attirer le boko bandeko zali kakaï mais solo bakaya solo ba occidentaux ba tubayebi makambo etali ba mboka na biso bango moko batu bayeba te solo ezali yo moto kokoma président toyebisaka bino makambo ya Congo to makambo ya bapays afrique c'est l'occidentaux ya solo Mate Failu Eli président de la république démocratique du Congo Zambe Apambo Labino, Tokomi Bongo, Mbala Sima, Matondo, Matondo Mingi. Matondo, Matondo Mingi, Zambe, Apambo Labino.